yo di se libérateur pays ya, di Philippe, monsieur pas jam campi clair pour dire deux bagay. N'a attaqué bandi yo. Deuxièmement, fok Ariel la gepiel. Monsieur pas jam di ça. Fait deux émissions, m'tape monsieur sur ça. Fanatique li yo voye, puis m'occupe yo. M'dam di non, m'pa parle pour me faire personne plaisir. M'pa li sa m'konne, sa m'comprenne, sa m'pense. Jodi ya, discours Guy Philippe la différent dans la rue. Ah ben, jodi ya, Guy Philippe, m'fè gade un article là, Guy Philippe, qui était accompagné de plusieurs partisans li, monsieur m'a dit clairement, fok Ariel la gepiel. Qu'on y a dit la seyoun, parce que Jean-Charles Moïse dit ça déjà. Même quand ils sont là, m'gatoune un talent. Parce que dit la seyoun, et Jean-Charles Moïse connaît pertinemment, et pas comme si, non, bouche, ouais, je venais le parler. Ou jusqu'à ce que nous mangeons li. Et bien, Martel est allé. Ou elle fait tout le temps au revoir. Elle dit, si on est à distance, dans la radio, oh, faut qu'elle y aille, 7 février. Entendez ça déjà, d'ailleurs, m'songe, 7 février 2022, 2023. Et qu'on y a en 2024. Elle dit, chaque 7 février, oui, faut aller. On n'est pas fait. Parce que Ariel sont cyniques. Elles sont cyniques. Ça dit, monsieur, si y a un bouche qu'on soit prêt à distance, vous dites, Ariel, faut aller. Allez, qui bon. D'ailleurs, une batte mette. Et vous nous mettez. Tenez bien. Tenez bien, oui. Ça veut dire que, et vous nous mettez, vous avez dit, faut aller, vous batte mette, le côté de l'aller. Nèg sa yo, yo pas quitté pouvoir. Nèg sa yo, ou contraint yo quitté pouvoir. Ou forcé yo quitté pouvoir. Le ou la façon. Mais si y a un, vous prêtez des radios, et vous dites, faut Ariel aller, faut Ariel aller. Allez, qui bon. Et d'ailleurs, son bagage de non-sens. Sous maintenant, t'es tout, Ariel peut aller 7 février. Ça veut dire que 7 février, c'est une date constitutionnelle. Ariel qui l'a, il n'a pas la constitution avant. Dis-moi, qui a article de constitution qui met Ariel en rigueur de l'IA? Qu'il y aura dit non, t'es, on prend, et il dénommé par le président de la République, etc. Au regard de l'article 149 de la constitution haïtienne, etc. Oui, non. Et sortez, ouais, quand t'es libéré ça. Ou t'es libéré que, ici, n'est-ce pas ici, l'article est en bas, oui. Parce que l'article là dit que le président fin nommé, il faut que là, il est devant Parlement, oui. Il faut la présenter devant deux branches parlement politique générale, déclaration politique, li, ça veut dire politique gouvernementale, li, comment le parlement est battu pays, projet, budget, etc. Il dirait ça, au bah, parlement. Il y a un nègre là qui est dans la loi, non? Ça veut dire que l'or était des micros ou des radios. Il faut aller, ouais, ça fait oui, mentor, on est mentor à bail. Mentor à bail. Vous connaissez mentor, li, on dit quand même, ou bah, on dit discours populiste, et puis fanatique, vous mal comprendre. Oui, bravo, l'idée, peuple là. Il pas ça besoin là. Ça fait un bon nèg. Souvin l'ordre dit c'est révolutionnaire. Prouvel. Il va non blague ni. Marie contact personne. Souvin l'ordre dit c'est libérateur. Prouvel. Libérateur sérieux, papa l'ambile. Ouais, vrai chef, papa l'ambile. Vrai chef, papa l'ambile. Et ça fait un dédié au petit temps pour nous garder la révolution cubaine, par exemple. Mon révolution, c'est un équipe planifié. Avec une équipe solide, équipe où nous fait confiance, vous comprenez ça tout. Et puis, action posée ou revendiquer action. On parle blablabla, tout une interview, faire vedette, y'aurait ça. Consommation, ou à faire des bagailles pour la consommation des médias. Ou à faire show médiatique et pas révolution. Et ça fait, si on est gline, l'on dit, c'est libérateur, pouvel, parce que bagaille ou à dire, on t'en dit déjà. Et ou à me citer, m'dou moi, moi, chaque jour, la bio, et bien son gène là, n'a pas fait un tas d'antical. Jean-Ariel Cynique là, c'est pas la parole qu'a voulu aller. C'est le temps, m'dou, c'est longtemps la parole, t'es gagné toute puissance qu'elle t'a gagné. Longtemps. Elle entend Jésus-Christ, t'es sous la tête. Elle entend, ouais, Bible à dou. La parole là, son épée à double tranchant. Les paroles. Mais qu'on y a si y en a, bonsoir et toi, vous parole dans les barres, vous pensez le gars fait effet. Mentor, l'amdine bagay la foi encore. Donc ça veut dire que bagayo c'est fait bagay li. Action pour nous poser. Donc sous ouais divine la libre, c'est libérateur. Comme li jodi à l'alba, on signale dans Jérémie. Parce que quand même, tu vois quelqu'un, bah on dit tout le monde c'est baptisant, mais tu vois quelqu'un qui profitait à salon de Ariel, qui a dit vivgi. Il marche, fait mes bureaux l'État, et moi-même, t'en es bien, oui. Ouais, action ça, on pas contre vous. Moi, compte, si nous crasons bien l'État, crasons machine l'État, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que l'un crase bien l'État, c'est bien nous craser encore. Mais ouais, depuis longtemps, nous avons encouragé le mouvement ça. Depuis ce marché dans le marché fermé bureau l'État, je monte à bord. Parce que c'est parce que nous sommes à l'aise. Faut nous dé à l'aise. Et mon pays va marcher, insécurité, il y a kidnappé médecin, alors que qui ça a rien entendu des médecins. Il y a kidnappé médecin, il y a violé le monde, etc. Nous allons montrer une talus. Fais pas de mission après-midi là. Mais trop de bagages devant ma guette pour me faire après-midi. Et faut me balader docteur Blaise, bon point pour nous faire, point de droit. A d'oublier m'a dit l'esprit. C'est fort, moi, 7h30 pour ne pas la clé. 7h45. C'est bon, nous, son pays en difficulté. Nous prenons trois paroles, discours déjà. Des discours fleuves. Nous prenons déjà. C'est même paroles. Même paroles, répétées par les gros français dans la radio. Et ça nous fait. On est, son nègre, vous mettez pio à terre, c'est libérateur. Et bien, prouvez-le. La femme d'aujourd'hui, elle me suit. Mouvement, marché fermé pour l'État. Moi-même, je suis derrière elle. Sérieux, je suis derrière elle. Je suis en crasse brisée. Je suis en boule. Son nègre, elle boule pour l'État. Et pas à tête pour l'encourager ça. Parce que l'on boule machine l'État, ou bien n'importe machine ou boule, c'est malheureux ou fait abus, et c'est où encore piqué propre tête tout, il y aurait ça mouvement scorpion. M'a pas le mouvement scorpion. M'a le mouvement ça. Mais depuis, ouais, debout, on calme, fermez DGI.
ou met dim ou met dim sauvé mon pas camper d'ailleurs depuis c'est côté bien bureau l'état parce qu'Ariel doit aller dans pays on pays pas sécurité on va tourner sur dossier sous drame qui passe Mariani oui on va jamais parler sur lui parce que il y a détail n'a chercher on dit dal mon nèg yo vide balle sur l'en mer oui actuellement là moun pas fréquenter route cabaret à Ariel la Williamson etc. Bandi a menacé moun population obligé bloquer route là oui malheureux malheureux pas circuler et puis Ariel nous a bien mené flotte machine ni derrière puis l'agent sécurité etc. côté le braler il va dans bureau qui bureau. Dans toute logique, Ariel t'a deviné le boulot de l'imaginaire. Mais oui, il y a tout côté fermé. Et là, où est la police? C'est où le plus gros quand c'est pays à tout. Il y a la police, oui, il y a là. Il y a ses autres sous-sous. Il y en a pas 8 ans. Et puis, peuple a dans violence, crasé, boule, écrasé. Peuple a marché fermé bureau. Qui te fait un bureau? Ou bien, bombardé à gaz, tiré coup de balle sous yo. Bah, il s'est. Ou bien, ouais, t'as l'eau, ou bien, ouais, ça veut dire que c'est là-bas, elle a mélangé. Mais avant de parler tout ça, t'as le coup, on ne peut pas fini, non? Bon, comment ça coupe santé, non? Mais n'a pas demandé, monsieur yo, libérez docteur Bertoni François. Là, son jeune garçon, nous allons décourager tout jeune garçon qui te pays. Moi, nous faisons quitter le déjà, je vais tourner. Je vais tourner. Vous comprenez ça tout? Allez, nous faisons quitter le déjà. Mais nous ne pouvons pas pour faire tout jeune garçon, jeune femme qui te paye. Pourquoi nous faisons un pays comme ça? Ah ouais. Tandis, pour nous faire un pays, regardez, où est ma passe spot là? Baisse donc, faut gérer en 2024, faut gérer le baille, papa. Tandis bien? On est jeune garçon médecin. Hein? Nutritionniste. Là, vous faites baisse donc obligé, voler quitter le pays, aller cacher là dans Miami. Les baisse donc, regardez, docteur Auguste. Il y a 100 000 docteurs Mackenzie Guerrier. Là, vous assassinez. Il dit, ah, moi-même, pas bon mentor. Des gonfiers qui visent dans le même monde, comme là. Si vous avez un petit qui tombe, vous la vie, puis bon, passons belle mort. Il va bon, y a docteur Bertoni François, oui, t'as fait une rubrique sur Caraïbes pour nous kidnapper. Donc, on a ça, nous dit là. Bien bonheur matin, hein. Tout habitant dans la commune, cabaret à Caraïbes, vous levez le jour de la jeune abgade là. Qui s'est passé? Bon, lis tout le texte là, bon. Route nationale numéro 1 bloquée depuis hier mercredi 10 janvier 2024 là, dans niveau commune Akaye pendant toute journée. Y a une situation qui rivait paniquer tout le monde. C'est normal. Bien bon matin, tout habitant commune nan, ensemble à cabaret, levé joint route nationale numéro 1 coud ak barricade. J'en ai gardé là, pied bois, machine à toute localité bagay. Situation ça a paralysé presque toute activité dans tout arrondissement. Y a un mouvement protestataire en main. Par rapport à qui on voit qu'a circulé sur les réseaux sociaux, yo, côté chef gang Tibab, ainsi connu. Ça, son nouveau chef, oui. Un nouveau chef. Chef, ça, yo, dans l'État, chaque côté, on passe un chef gang. Vous comprenez ça, nous? Garde ou frade, eh bien, puisque yo, c'est gang qui a ferraillé. Et chaque gang qui paraît, qui prend possession, personne pas fait l'un, yo, pas traquel, au contraire, il est puissant. Il fait d'ici. Eh bien, chaque nègre qui joue un anti-côté, il a créé propre territoire perdu par yo, et puis personne pas dit rien. Tendez bien, hein? Côté chef gang Tibab, ainsi connu. Qui a dirigé le territoire délige, publié pour menacer habitants de communes qui donc Akaye à cabaret. Dans même voie ça, Tibab mandé pour personne moun cabaret et puis Akaye, pas mettre tête sur ce mac. Sinon, ça yon prend c'est pas. Tade bien. Yon l'autre bord, Tibab annonce, pas trop longtemps, la mette pied la tête. Toutefois, li promet, le lap vini, même yon petit bébé qui fait que sorti li joen, pas pe panier. Et tout temps li pa fina, tout moun nan milieu nan Williamson, li pa suspend si la troublai nan mitan population. T'as dit, m'baron, ça t'y va gagner à moun na Williamson. M'baron. Donc, situation si là, t'as poussé protestataire bloqué depuis sous pont Bercy pour arriver jouk Saint-A dans l'idée pour éviter monsieur Tibab. Tibab, dans l'idée pour éviter monsieur Tibab, yo, envahi population. Tandis, toutefois, yo promet pour qu'un bel mouvement jusqu'à ce que yo joue une solution à problème ça, qui gagne un bon temps. Mais pas gagne l'État. On y a les Tibab envahi, avec soldat li, c'est population qui prend responsabilité, elle gagne l'État. Si elle est en attente là, donc fouti, t'as bien, n'a pas rappelé. Ça fait plusieurs mois depuis situation Moun Williamson à Kalili, pas bon dit tout, en bas gros menace, nèg exam qui sorti de l'IG. Gentan gen plus passe 20 moun qui tombe, 10 moun mélange à grandette, sans compter plus passe 50 qui quitte la caillo pour aller prendre refuge dans l'autre côté. Sans compter tout, divers sky ak business qui boule, toujours dans le cadre de conflit qui gagne en deux zones si la yo. Eh bien la société. Mais bagay là? Bon, kouni là, ça qui passe. Chaque côté ou rive, chaque côté ou passe dans le pays. Ou bien on grène qui décide, et puis pour le créer propre territoire perdu par lui. Pour combien de temps là? M'a demandé. Parce que là, pas même vraiment dit autorité, force l'ode. On sa yo, c'est son malheur et malheureuse, yo gen force. Sou ma, ou parle là, même DCPJ gon lis nan men là. Koun ya DCPJ gen fasse. Et de fasse, m'a m'gon dit, même porte li m'a quoi ouvri nan l'autre bord. Vous comprenez ça, m'dou Rebecca Ville. M'a m'gon, soit dans DCPJ la porte li ferme, d'ailleurs, zami chili yo la plein là. Pon question bagay, comment yon bay sa rele? Certificat bonne vie et mœurs, m'pa konnen yon DCPJ de bail, m'pa son jeune non. M'm dans DCD, ou ba, yon tout fermé, nan ti machine qui gen kon pointe li, m'dan de l'empanne depuis combien d'années, a dit ou pa gen kop pou yon achete ti machine ou bien faire ranger.
On comprend ça nous, c'est-à-dire malheureux pour bail service, pas gain temps. Kouni a gon paquet d'anciens voleurs, gros voleurs qui volent, yo mandé gon juge qui mandé pour mettre en bacote et puis yo ri avec yo. Au contraire, yo bail sécurité. Hein, ça doit là. Donc pile nèg juge la mandé marre, yo chargé policier dans deux bail sécurité. Kouni a vini, oh, tété, mandat juge pas fini. Qui met le mandat pas fini, moi t'après nouvelle. Bon mandé pour arrêter conseil de nèg voleurs, on a dit au mandat pas fini. Bon bon dou, si était Caroline Durand, si était mandat arrêté là. Si était moi même, si était Yves de Marco, pourquoi longtemps de ces belles joindre nous? Mba dou avant la CPJ arrêté les trois malheureux. Il fait passer toute cette fin d'année dans des barreaux. Point, oui. Malheureux qui a bousqué la vie. Malheureux qui a pris un risque qui va l'acheter pour venir brasser la vie. Puisque 100 dollars il a acheté, et puis il a tiré un petit cobla belle dans les malheureux. Comment est-ce qu'on trouve? Comme point, oui. Et puis il a pris un petit cobla, il n'a pas voulu bailler. Les têtes fourrées bouche dans le cause, c'est un cas de police, casier judiciaire, on va connaître. Les têtes fourrées bouche dans le cause, il a trois pouillots, il a couvert le canal pour qu'on a boulé. Monsieur, nous ne pouvons pas manger l'argent, ça déjà. Et ça, l'argent malheureux qui a pris misère. A dit, c'est pas yo pour arrêter. C'est gros volant ça yo, juge la mandé pour nous mettre en bacon. DCPJ tout fermé. Depuis le dossier ça va pas, il dit DCPJ tout fermé. Et me souriez, yo pas répondre téléphone. Yo pas répondre. Yo pas. Kounyo a mandé DCPJ pour arrêter Matéli. Ah bon, pas fini bon monde, non juge là. Kounyo a mandé DCPJ pour arrêter Privert. Arrêtez. Ou mandé DCPJ arrêter la vote. Eh bon, pas fini comprendre juge là. Enel il va le coup. A dit DCPJ, c'est sous banane mille gain force. Banane pourri. Il gain force. Dans pourri gain force sous banane mi. C'est ti malheur et pièce ça. Loin avant, c'est notre passe loin. C'est nous même. Yo t'a fait ta fouquer longtemps. Mais gros chabla ça, gros volant. Haïti c'est ti volant qu'elle en prison. Bon, un pays tellement difficile. Son pays difficile. Bon, ouais, c'est pour la première fois. Ouais, un jugement de pour arrêter gros volant. Même défenseur droits humains qui toujours a dénoncé impunité corruption, l'a défendre volant yo pour écraser des juges là. Même moun vous saisi. Son pays difficile, Robert Brice. Tenez bien. Tenez Manou Desi. Même moun vous saisi. Le pays a tellement difficile. C'est pour la première fois que des bons juges qui osent, qui m'ont dit pour arrêter un secret de gros volant. Même défenseur de Wamoun, qui soi-disant tu vas défendre, qui a parlé d'impunité, etc. Vous comprenez ça, qui a dénoncé la corruption. Bon, même défenseur de droits humains, oui, a pris position pour le défendre gros volant. Et puis pour lapider juge là. Quand tu payes ça, malade, tout bon. Vous comprenez ça, d'où? Et Nerline, si elle nous l'a arrêté sur nous, vous comprenez ça, d'où? C'est un pays difficile, Haïti. Justice, on s'aille au sonné, et justice, solution, c'est ça, y'a pour déraciner. La jeunesse contemplée, pour faire respecter droit, nous fouillons jouer l'État. Gardons des voies, nous, système n'a échoué. La jeunesse prend des voies, on lève les campées. En tout cas, aider la santé à l'éducation, est-ce qu'elle va me lever campées? Il y a difficile. Parlons par les nationales. On quitte ça, on quitte ça. Qui donc, nous pas parler pour la police, déjà, bon, la population, hein? Comme yo déjà konnen, mon cher Tibab annonce la privé sou yo. Et donc yo doit arranger yo pour les Tibab rive pour Tibab joine. Ah pour comprendre. Pour yo mettre Bab yo à la trappe pour Tibab ta joine Tibab non mais. Et ça seulement gardi. Parce que si la police nous galement d'écoute mais comprendre force l'ordre, moun sa yo pas sécuriser population. C'est grand nèg yo bay sécurité et puis fait malheureux habi. Charger ti malheureux là. Hein, charger ti malheureux gen 10 ans fermé pénitentiaire national pour détail. Pour détail. Gen ti jeune qui dans prison là, c'est Nari majorité prend yo et puis en prison. Nari majorité prend yo. Pendant la police débarque dans la zone, il y a Farim, et puis il prend un petit jeune, et puis il y a 5 ans fermé dans la prison. Alors ce qui est gros volant à Palto, qui vole un million, et pas un volant. Ou t'as un nègre qui fait 10 ans de prison pour de laptop. De laptop, oui. Il a fait 10 ans pour de laptop. Tout volant, c'est volant, parce que pas doit le volant même. Mais attendez bien, pour de laptop, il fait 10 ans. Et bon, nègre volant plus, passe 60 millions, et il a pris sous deux. Il a pris dans sous moi. Et d'ailleurs, c'est expert, il y a la technologie. Il a un paquet qui fout mis sous les oyaux, qui a target moi. Et puis il vole plus, passe 60 millions. Et puis il a campé la garde. Ça doit payer ça. Fon, pas qu'on aime, mais yon pile. Le général, y'a un pile zami qui félicite pour ça, parce que m'pas partagé comme si fatra sous Chanel moi yo. Comme ça, vann vieille image d'Haïti, m'pas partagé yo sous Chanel moi comme ça. Mais là, c'est pas fatra, non? Ça c'est quand yon moun mi là. Vin gade avec moi même capteur de m'sou radio, parce que l'information ça est important pour nous partager avec le pays. Et si vous habitez dans zone chef gang yo, t'as qu'on sous dans zone. L'homme sans jour, Jeff. Yo, mais y'a attendu là, yo tout attendu. Deux debout, m'dans l'air, yo tout attendu là. M'gale pas là, yo. Parce que monsieur, que d'aille m'a gardé Jeff, monsieur conseille de bagaille à présenter là, c'est bagaille chè, bagaille million. Belle tennis, belle chaîne, bague, goumette, montre. Bagaille chè, bagaille millionnaire. Et d'ailleurs, m'tire Jeff qui t'a bagaille enveloppe pendant fin d'année. Même si l'argent m'en encore, parce que m'a écrit mandé mon l'argent, après ça, monsieur t'en même t'a bagaille enveloppe, qui donc la fait sociale. C'est agent social yoé. Ça lui dit Jeff, monsieur Paraze. Ça m'a dit, pas qu'on est dans qui base lié, mais toute base connectée. Ok? Toute base net yon connecté. Le fait que toute base yon connecté, ça veut dire que yon kabay l'autre nouvelle là. Ok?
yon ka di lot, c'était à parler l'après-midi, hein. Monsieur, on garde qui ça bala et qui ça ne fait. Parce que son pays n'a pas un petit coup de main, moi estime que n'est pas normal. Je n'ai pas gardé là, c'est qu'il y a un citoyen, un malheureux, qui vit là, il y a trois timons dans le cas, qui ça regarde là. Et donc, il y a trois timons là dans le lit, on va montrer toute bagaille dans le cas là. Mais c'est là, il n'y a pas plus gros, parce que ça, non? Son petit vidéo amateur, son petit chambre, dans le petit chambre, on va regarder là, il y a trois timons qui vivent là dedans. Je vais regarder là. Il y a madame, il y a trois timons. Ça dit une famille. C'est il y a cinq mouns dans l'espace pour regarder là. Et bien, je me dis où? Monsieur, c'est sur route. Il y a un examen kidnappé malheureux. Attendez bien. Il y a kidnappé, monsieur. Je me dis, mais oh. Et comment kidnappé? Attendez, monsieur, dans la machine. Si je me montre, je ne vais pas faire ça, mais si je me montre une photo, madame, monsieur, Timounio, qui a mis deux mains en tête. Information dit c'est ta nèg ça vient ou qui t'a kidnappé. Mais nous pas forcément qu'on est, sauf que ça nous a dit c'est sur route nationale numéro 1 ou kidnappé. Parce que il t'a sorti Gonaïve pour entrer par au presse. Ça dit nous pas contre qui côté exactement ou kidnappé. Mais c'est sur route ça. Mais il t'a plus pensé c'est ta nèg ça vient. Comme tout nèg ça ou connecté, donc yon t'a dit l'autre, monsieur Fongean. Yo kidnappé malheureux, on croit c'est ou deux. Qui est-ce monsieur? Yem d'avoir essayé chercher ouais, qui est-ce monsieur? Yo mandé $250,000 pour yo libérer. Là yon pile. Là yon tris en pile. Yo mandé 250 000. Mais mandé moun yon vivre, oui. Là yo mandé $250,000 pour yo libérer malheureux. Qui est-ce monsieur? Yé? Monsieur tap travail dans compagnie bloc dans Canaran. Dans Canaran, monsieur tap travail dans compagnie bloc. Le nèg Canaran yon vin occupé zone, nan, monsieur pas ka continuer. Fonctionner en bas dans compagnie, compagnie a été obligé de camper. Qui ça, monsieur, a le fait qu'on y a, monsieur, a vendu paix? Paix, monsieur, a vendu nos bourrettes, oui. Pour le cas, lever trois petites lignes avec madame. Monsieur, monsieur, nous attendez, tout chef gagne, nous attendez là, monsieur. Ma parle avec nous, on va contre monsieur. On va contre monsieur. Même nous, j'en regarde les bourrettes là, c'est sous tes bourrettes ça, monsieur, a vendu paix. Pour le cas, occuper trois petits mouns lignes avec madame, dans tes cailles où elle a vivre là. Et yo kidnappé, monsieur, m'a dit $250,000 pour libérer. Ah, mes amis. Pas normal. Donc, quoi, monsieur, le Nick, yo kidnappé, monsieur, on l'autre, le Johnson. Monsieur, m'pense que l'est pas normal. Donc, libérer Valérie, ou peut-être nous pas qu'on est qui est ce monsieur, que n'attendez là, peut-être, nest sous pression, il peut parler, etc. Libérer Valérie, ça. C'est pas, monsieur, que, et pas mon on a cherché. Si nous avons un bagage personnel contre yo, donc c'est malheureux qui a bousqué la vie, qui a bousqué manger, ou pas, pour pas manger. Pour garder côté à vivre. Et tout ça. A dit qu'on y a côté pour côté moun ça, on va pas moun ça dans vie pa yo. Yo ko jam compte rien même on l'argent comme ça. Quand yo pas jeune comme ça. Bon. Monsieur, si ça vient, m'a mandé nek tanaran yo puisque nous contact nek yo. Donc libérer malheureux. Libérer malheureux. OK? Libérer malheureux. Nous pas qu'à faire ça monsieur. Donc nous pas qu'à battre pour tout monde comme si pour tout le monde pas qu'à vivre dans le pays comme si tout le monde obligé parti pour partir à Kibo. Regardez côté, nèg la ta vivre Canaran, il a travail dans un bail bloc. À cause moi dit Canaran bail bloc la fermé. Regardez côté, il a fonti côté pour le rester. Regardez plus de plusieurs blocs à tel pour faire là dedans, il pas de moyen. Mais côté choisir retak famille. Moi l'en kidnapper le monde 250 000 pour la vie l'argent ça. M'a demandé même qui attendait moi sur radio. Souhaité dans zone Nice Mimaniga habité. Bah radio anti volume parce que m'bral parler avec mon chou dans moment. Ministre éducation, ministre Maniga. Moi-même, bon, en pile, nèg dit parfois, tété, oui, ou cherche compte, ou bien, ou toujours, ou cherche polémique, ou fait créer bif, agay, ou pas fait bail ça. N'y a droit d'y en parole, ou estimer que l'y parle dans le sens. Moi, étonné, pendant la période ça, fête fin d'année, parce que, en règle générale, chaque fin d'année, il y a des médias, même gens très fous, m'y fait lit. Et m'a rappelé moun yo nan de l'année trip fou yo, c'est pas comme si konsa journaliste yo bien équipe trip fou mi a décidé bay moun yo de l'année. C'est sous site là. Bon, souvent j'aime visiter ces trip fou mi, on pas comme ça. Mais c'est sous site trip fou mi, c'est haïtien qui votait pour moun yo qui dit mais qui ça voyer pour année et pas nous décider bay de l'année. OK? Écoutez. M'te saisi ouais un article qui écrit malheureusement, on dit malheureusement parce que moi dans pile estime pour Genou 7 comme jeune média qui a fait un travail colossal. Et yo très professionnel, pas de problème avec yo. Mais l'homme tape li article, l'homme te réfléchi parce que
Juno 7 mettait en valeur parce que, pas oublier, l'organe est un média qui gagne 2, 3, 5, 400 000 personnes sous page seulement, par exemple, son gros bagage. Cette fois, après, page très fourmi, nous gagnons presque 500 000 personnes sous comme si la gagne pour des agribas sous comme ça, comme ça. Faut pas jouer avec ça. Et puis, n'est-ce qu'on a dit pour vous parler de cette personnalité qui marquait l'année 2023. Et puis, là, on dit ça, ça n'a pas de problème. Ça t'est arrivé que cette personnalité qui marquait l'année 2023, parce qu'on doit marquer une année en bien ou, bien, ou en mal, qu'on y a un bras le temps pour moi, hein? Qui ça n'est qu'il a dit, ça n'est bien ou Marc Lubin, sous ministre éducation, Nesmi Maniga, que n'est qu'il a dit qu'il marquait l'année 2023. N'est-ce qu'il a cité plusieurs mots, mais on est avec eux, etc., tant que Johnson Napoléon, Wichel, Frère Luxon, Zafem, Melchi, etc. Il y a tellement pas ouais ça pour dire tout là qu'il y a à mettre comme personnalité. Pas un problème, monsieur, dit ça, nous c'est moi qui mette dans le casier. Vous comprenez? Bien que quand même, il vient par 8, mais il nous dit que je vais la mettre dans le casier. Pas un problème. Mais là, je vais laisser les Maniga, malgré qui ça n'est pas écrit sur les Maniga. Mais ça n'est pas dit. Puis le français, papa. Dans un pays où tout est sans dessus. Dessous, en raison d'une crise multidimensionnelle marquée notamment par l'insécurité et l'incapacité de la classe politique à se mettre ensemble pour bien diriger le pays et donner de l'espoir au peuple. Il est parfaitement incongru de sortir un ministre de gouvernement en place, attendez bien, comme une personne qui s'est tirée du lot. Mais au milieu du chaos, il y a certaines personnes qui occupent un poste, arrivent à faire en sorte qu'on pallie certains problèmes qui, monsieur, c'est un petit problème là-dedans, monsieur, monsieur, regardez le corriger, s'il n'était pas géré, empirait la situation. Parmi les actions posées pour améliorer le secteur éducatif haïtien et favoriser le retour en classe des élèves dans un contexte assez difficile, on peut citer le cas de 20 000 élèves qui ont perdu 3 mois du septembre à novembre en raison des événements de Carrefour Feuille, mais qui sont retournés à l'école à 90% dans d'autres locaux vers la mi-décembre. Aussi, 498 771 diplômes et relevés de notes de baccalauréat sont délivrés en ligne gratuitement sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale durant cette phase pilote. Dans un bilan publié récemment, le ministère précise qu'un million de livres en créole ont été produits et distribués, etc. Avec le dynamisme de Nesmi Maniga, on a eu la signature à l'UNESCO de la convention relative à la reconnaissance des études, des titres et des diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes, les décisions instituant le multilinguisme, etc., etc. OK. Et puis, il me dit, il me fait regarder le texte là. Il me dit, pas un problème. Non, bon, je ne sais pas qui a écrit ça. Peut-être c'est constat pâle. Même estimé, les gens qui restent allés trop loin. Ce n'est ni Maniga, pas fainé pour le mériter ou ne ça. Comme moi-même, je ne parle pas pour m'écrire belle français pour personne. C'est bien de mettre à pied pour mal chercher bagay. Songez, une action posée. Moi, je descends dans le gros monde, dans la localité Boucan-Richard. Pour me garder état en l'école nationale. Il a fallu un tété pour te parler, pour te dénicher l'école ça, avec mon responsable, pour finalement Nesmi Maniga, comme ça autre, te songer effectivement te gon l'école dans la zone Boukan Richard, dans Goumane. Il faut me dire, après l'émission, hein, tout de suite, si il y a une intervention qui fait, et l'école là, il y a un petit passé mec qui a fait la dalle. Et n'a vini très bientôt le finacli avec travail. Pour nous dire, mais qui se met pas mal de avant, et mais qui ça justement qui fait après l'intervention de Tété, votre Tété. C'est ça nous fait. Nous n'avons pas une fleur, nous n'avons pas pour personne. Nous sommes des citoyens, nous constatons le problème, nous payons pour résoudre le problème, nous résoudons. Résoudre. Et bien là, nous quittons le monde. Pendant que nous avons une fleur pour l'esprit Maniga, comme il va marcher, nous même là, nous avons une fleur pour nous promener, nous et nous marcher. Et bien, pendant que nous parlons là, c'est dans l'école nationale, nous trouvons là, pays. Ou à côté de là, non dans l'école nationale, ou pas believe that, on a voit du yes. Et bien là, dans le sud pays, il y a là, non à qui? Et là, qui est là? Vous comprenez ça? Alors, même qui pas connaît, là, nous, dans la troisième section communale à qui? Dans l'école nationale, Bodke. C'est là, nous, y est là. Je vais regarder sur l'écran, dans la 50 peuple là qui a gaspillé, appel centime téléphonique, n'a posé question, pas qu'à connaître qui ça va aller. Et bien, pendant qu'on a parlé là, ça va regarder sur l'écran. Ce n'est pas bagaille fabriqué, ce n'est pas comme si bagaille imaginaire, ce n'est pas sensation pour y monter. Ça va regarder là, c'est l'école nationale. C'est l'école nationale. Et Nesmi Maniga, pas longtemps de dans le sud, qu'elle fait chelbert, a passé moun nan tete, passe moun nan bêtise. Mais monsieur Patmande, côté n'y est là,
est-ce que là c'est pas dans zone d'entrée là? Parce que si on passe dans Nipla là ou dans sud, faut amender dans toute zone là. Faut ta fon coup de pied à nous, parce que après cyclone dans l'école de Pachana à nous, faut ta fon coup de tête, si malheur à travailler à nous, pas j'aime qu'à nous, pas m'a touché, faut ta regarder. Ensuite, traverser, checker dans toute l'asile là, net, checker tout à en net, et alors tout côté dans Nipla, pour ta checker pour vous. Ensuite, checker dans le sud là, vous connaissez comment ça y est. Eh bien, là, nous arrivons dans la commune à Ké. Ça va regarder là, son l'école nationale. Donc, vous voyez, regardez, côté amis nous là, Casimir, sortez, ouais, faut pas dire par la pays là. Je toujours dit, l'école, c'est un premier facteur de développement et un pays. C'est ça que fait, un pays sans éducation, sans l'école, c'est un pays qui a toujours affondré. Bonjour, bonsoir à tous les amis. Krifou Mefoyo, je dis à son plaisir pour nous aller avec vous dans Boudkin. Boudkin, c'est une petite zone qui est dans la troisième section, commune Ké. Une commune qui est dans le département Sud-Béia. Je dis à nous allons visiter l'école nationale de Boudkin. Dans tout le pays, depuis le temps de l'école nationale, c'est toujours activité de l'État. Oui, activité de l'État. Place ça va regarder là, placement ça va regarder là. Après là, ça va regarder qui tout chiri et tout ça, ça c'est l'école nationale. Nous dans le 21e siècle, un siècle qui est tellement évolué, un siècle qui parle de Chita, dit tout, nous arrivons, nous jouons l'école nationale, ça, en dans la commune à Ké. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas Chita pour ne pas faire population, ouais, dans qui est l'école nationale, y en dans la commune à Ké. Nous rappelons, qui ça va regarder là, l'école nationale ça va regarder là, 80% autorité qui est dans la juridiction à Ké, est passé là-dedans. Vous rappelez, l'école nationale, ça, c'est seulement 3 classes. Magala fait mal. Magala fait peur avec les petits gens qui apprennent dans l'école, ça. Pas de direction. Pas d'infrastructure dans l'école, là. Pas de la cour. Pas de rien qui a rapport avec l'école. Est-ce que, je ne j'ai dit, nous avons toujours abattu nos éducation tête en bas, ça. Est-ce que, jusqu'à jeudi, là, nous avons appris nos dans l'état, nous avons gardé dans l'école, ça, là. Pas de banc. Pas de tableau. Aïe parfait, c'est mon yo à prendre sous terre. Tol poule, en bas vieux pibois, en bas vieux près la salle chire, c'est là, yon l'école nationale yé. En dan, commune à Kela, nan boutke. Ou même kap gade. La mande, chaque jour nous posons celle question. Est-ce que l'État ça, son l'État qui est responsable? Chaque jour, dans toute interview, nous toujours dit, et majorité n'est qui dans le gouvernement ça, c'est n'est qui toujours gagne sexist machine dans le côté jour. Et ceci, yon n'a plus gros bagage qui fait nous, qui va nous pile problème dans la question de l'école nationale, ça va d'aller là, c'est parce que l'État subventionné en pile l'école privée pour construire. Pour qui ça? Il a subventionné l'école privée pour construire, pourtant l'école nationale par a toujours été sale. Toujours été sale même avec vous. Parce que pour même, qui sont un père de famille, pour la carrière ou même faut propre, si vous c'est l'État, vous avez quitté l'école nationale sale, c'est que vous même ou déjà arrêtez un monde qui sale. J'ai regardé là, mes amis, bah, elle a fait étonner, bah, elle a étonné nous. Et l'école, ça, et l'ente, nous avons visité, nous avons bouquin. Nous avons dit, nous pas capable, ouais, malgré le jour, nous avons passé, y'a pas de gain élèves. Et en plus, le monde, la population, en fait, nous, c'est parce que les professeurs n'ont pas venu. Parce que la majorité, les professeurs qui viennent travailler dans l'école, ça, c'est dans le centre-ville à Ké, vous sortez. Et ceci, pour sortir dans le centre-ville à Ké, vous venez là, c'est parti problème. C'est parti douleur. Moi, j'ai mis puisque 17, passe de l'eau pour m'y écouter, m'y aller là. Et les professeurs, chaque matin, pour venir travailler là, c'est parti bagaille petit du tout. Pas oublier et abonner avec page là, partager vidéo ça, faire le niveau dans G next ça yo, dans G fat là ça yo, yo même qui prend pays pour piétiner pour passer en bas pays pour faire ça ou vouloir avec lui. Écoutez, moi me dis ça déjà. À travers émission yo, moi qu'on aime créer ennemi pour 1000 ans déjà. Nous seulement souhaiter que le peuple haïtien, bon même si pas là encore d'ailleurs. Nous chaque à vivre gon l'un pas là. Et même si pas là, comme nos médias les trucs fourmis, même fourmi qui a côté nouvelle pour nous. Parce que comme citoyen, nous t'es engagé pour nous t'es rendre l'autre Haïti. C'est vrai que nous ne pas comprendre, que nous ne pas comprendre. Mais il y a un avantage que moi gagne et me souvent dire. Nous toujours dire yo, avantage que me gagne, c'est que l'argent pas fait me fait tintin. Parce que son constat me fait pas grand ken monde qui paye pour me parler pour yo. Moi son citoyen, nous sommes haïtiens, moi constater pays a effondré. Moins risqué, moins privé de liberté. Bah, même j'ai tout n'est qu'on ambiance, vraiment ambiance là. Nous t'arrêtons prendre ambiance, moins tout. Moins privé de liberté. Mien limite, mien côté, m'en obligé par aller. C'est parce que moi engagé dans une bataille qui risqué. Comme citoyen, nous avons une responsabilité pour nous questionner son série de bagages qui a passé dans le pays. Comme si monsieur. Pour nous vendre mon esprit maniga comme personnalité de l'année, comme si nous marqué l'année. Et puis, nous équipe l'école nationale qui sous fatara, si nous achita sous bloc. Et puis, nous avons roulé. Gros machine, belle machine, on prend full sécurité, il y a bien mené, il y a dormi dans hôtel de luxe, etc. Famille, hôpital, yo même, yo pas là, yo pas là. Gros l'école.
à l'étranger, il y a bien mené. Si là au Haïti, ou après regarder dans quelle école, l'école française, l'école américaine. Et vous même pitao, d'un côté le chita vous la va prendre. Même professeur va toucher. Je veux dire, on dit un petit bon, véritable menace au pays d'Haïti. Elle me dit ça plusieurs fois déjà, oui. Faudrait pas parler avec nous là. Bon, dividal policier qui a abandonné, qui l'a gépillé dans notre pays. Mais bon, l'autre réalité, c'est bien. Bon, dividal professeur, enseignant, qui l'a gépillé, qui te paye, oui. Bon, bon, son pays, regardez mon nègre qui kidnappé. Mon gars vend pain sous bourrette, nègre qui kidnappé, a demandé 250 000 dollars. Ah, et un professeur même qui a touché 20 000 gouttes, 25 000 gouttes, 30 000 gouttes. Il a kidnappé le pire. C'est-à-dire, bon, pas quel professeur là qui est obligé à abandonner, qui l'a gépillé, qui ça ne comprenne? Nous avons une génération qui a vint là, son génération qui a perdu. Parce que si vous avez professeur vous formez, nous faisons carré de tiso dans le pays. Il y a des journalistes qui ont venu au bon monde, ou qui même avaient fait des étudiants, il faut aller entrer dans le gang, vous avez touché bien. Et gang vous payez bien. Et gang vous payez bien. Ça veut dire que nous avons une génération de jeunes. C'est le gruyé, c'est le boucané, c'est le vide, qui n'a pas bien référence, qui n'a pas bien modèle pour suivre. Seul modèle qui a bien, c'est chef gang. Nous avons dit, nous chargeons Tizo à terre, nous chargeons Titi l'appli à terre, nous chargeons Titi Jeff à terre là, nous chargeons Tivite l'homme, Titi Chris là, nous chargeons nos paquets. Parce que l'État n'a payé l'argent, dollar 50 moyens m'a payé, Nesmi Mani d'a mangé l'argent ça, et il n'a pas utile de payer rien, on a voué fleur ou lit. D'ailleurs, c'est ça qui est fait pour écraser le pays. Ça dit bien. Ça dit bien. C'est ça qui est fait pour écraser le pays. Oui, y a un petit tap sous secteur protestant, ou met à tonne de si je veux. Ma fond rivé sous presse là, que me la donne. Parce que yon bagay nèg yo fait pour yo dépatcher à pays, yo utilise la presse pour aider yo dans des rives là. Moi, yon moun kap tak, me la dîm tete, gen matériel yon lèvri. Ma cherche émission sa bourgage ni. M'fait deux émissions ici, à moi dénoncer. Nan la couche en zéa chansi nan Henry. Moi, ouè, mat moun passe vidéo là, même quand m'da dit nous, mes matériel l'état que moi. Jouen dans la cour Henry en bas matériel qui n'a mais changé sorry changer chancy mais pourquoi ça choisir fait monsieur acheté majorité journaliste qui a parlé pour peuple là chaque jour fait programme la cali n'est déplacé pour aller dans programme qui changer chancy n'est pas parler mal hein le président changer il aurait le président on avait parti bailler assez il aurait le président c'est à dire que premier bagage n'est fait oui pour qu'a bien parti pays il a arrangé yo pour gagner contrôle un bon parti dans presse là. Que des médias en ligne, que des médias traditionnels. C'est-à-dire, même s'il y a volant, même s'il y a débat de chapéant, même s'il y a pas qu'à fanyer, et puis, reste là pas qu'à critiquer yo. Parce que y a un grand zan, non, y a un leader politique ça. Et c'est ça que vous n'avez pas fini à l'aise avec TDA. Parce que je me dis, tout n'est pas qu'un grand zan, non, pas qu'un vagabond ici. Bon, ce que là, c'est nous-mêmes qui la cap suivre moi, sur réseau yo, qui supportent, qui partagent, c'est nous. Nan ken nèg politique ou bien dans secteur privé qui t'a osé di un jour m te écrit à plein misère baio on me besoin ti fiche gaz on me besoin de téléphone m pa ka non dam di nou avant m te réchom te tol avant m te réchom te tol ça dit moi même nèg yo fait ça nèg yo craser l'état mais yo arrangé yo achete un bon parti dans presse là qui pa ka dénoncer dérive yo et mes côté blanc le ministère de l'éducation nationale il fait ça en pile bon paquet média dans pays a gros média qui pas jamais osé dénoncer dérive dans le ministère de l'éducation nationale. Même pour blague. Alors ce que l'aime de l'école, c'est ça m'apprend l'aime d'étudier le journalisme. Là, on t'a parlé de, là, on t'a fait comme si historique, média. Là, on t'a parlé de média de masse. Yo pas t'apprendre, moi, comme si média li fait pour protéger volant. Et pas ça, on te dit. Et pas ça m'apprend l'école. Là, on t'a parlé de masse média. Média de masse. Yo pas dit média li créé pour protéger volant. Et pas ça, on te songe m'apprendre. Sinon, il faut me retourner à la recycler tête, moi, pour me lire davantage. Média de masse là, c'est porter parole l'arrivée. Moun qui fait bio, les sans voix ou ces voix des sans voix. Yo qui même qui pas qu'à parler ou porter parole là pour yo. Malgré ça, au kidnappé qui pas qu'à venir dans média, qui pas qu'à parler par les contacts, qui était porter parole là pour lui. C'est ça, les médias de masse là. Eh bien, je dis à nèg prend média, yo fait tourner, au lieu de faire média de masse pour service collectivité, yo utilise justement pour yo faire ben yo. Vous comprenez? Pour protéger volant, protéger gang, protéger criminel, ouais, depuis accusé ou dans volant, y'a espace pour y'a le blanchi tête yo. Média tourne tribunal. Y'a pas besoin de tété. Si vous avez tété, c'est émission pays, émission peuple. Pas gagne espace pour un volant, vin blanchi tête yo là-dedans. Je dis à, j'en te dis au départ, c'est gagné manifestation dans grand dans ce pays d'Haïti. Y'a plusieurs monde qui te prennent la rue. Une bonne quantité, pas qu'à bail chiffre, parce que nous pas gagné chiffre, mais t'es une bonne quantité de monde qui prennent la rue. Hein? Dans Jérémy. Il y a un caoutchouc, taboule et tout. Mais l'idée principale, c'était marcher
pour fermer au besoin son là m'a garanti son oui non m'a pas baoul non c'est difficile pour y avoir parler m'a garanti son m'a regarder tout à l'heure et mon yo marché fermer plusieurs bureaux l'état c'était ça l'intention hein, pour te fermer bureaux l'état yo qui me dit ça tout à l'heure m'a pas de problème avec mouvement ça le peuple a décidé marché fermer bureaux l'état moi même pas contre lui pas en face ça parce que l'état pas existé qui est-ce qui paye l'état bon, l'état c'est nous mais l'un de l'état nous comprenons son façon pour nous dire c'est monde qui a dirigé là c'est monde qui dans l'état c'est monde qui chef l'état c'est monde qui dirige dans l'état le gouvernement puisque l'état pas existé l'état pas utile peuple rien si on marche fermer bureau l'état on pas camper face ça si on n'est pas fait littérature parler français faire discours bagarre nous moi même quelque depuis peuple après la rue là il décide marche fermer bureau l'état m'a camper derrière parce que l'état pas existé l'état pas utile rien. L'État pas utile loin, si l'État pas utile loin, et c'est nous qui payons l'État. Eh bien, nous marchons fermer bureau l'État. Fermer l'État. C'est marcher fermer l'État. C'est ça, Balan, oui. Marcher fermer l'État. Eh bien, non, pas au prince également. C'est qu'il y a une quantité de monde qui prend la rue tout. Nous avons demandé départ Ariel Henry. Et il y a un pile là-dedans, qui est visiblement c'est partisan de Guy Philippe. Et moi, te dis, et position pas changé. Si Guy Philippe vient là, monsieur estime que Gonbaga a que le café. Et seul bagage qui a fait, il n'y a pas l'autre. Par exemple, passer par quatre chemins, passer sous côté, nous pas dans l'hypocrisie. Seul bagage qui Philippe a fait là, c'est faire Ariel by talon depuis le capable et arranger le pour garantir sécurité dans le pays. Depuis monsieur pense qu'il a fait ça, pas de problème. Mais si c'est discours bagage bluff, discours populiste, etc., et puis qui parle, parce que nous habitués à bagage ça déjà. Puis le monde dans la rue, vivant tel, abayant tel, nous habitués à bagage ça, comme si ça ou pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Donc, ça qui est nouveau pour nous aujourd'hui, Ariel qui n'a pas utile rien, puisque si elle en bouche n'a dit Ariel, il faut aller, nous connaissons pas parler, que nous renverser Ariel, c'est tout. Que nous renverser Ariel, c'est tout. Depuis nous, qu'a fait ça, pas un problème. Pas un problème. Mais si elle a la campagne, manifestation, vin blasser dans la rue, ou à bain tel, vivant tel, ça y est, n'habitue à qui déjà. Nous faire pile ta fait, on n'a pas changé. Si bagaille comme si, vous pas voulez aller, qu'on change pays, Haïti a changé longtemps déjà. Nous clair sur ça. Ça veut dire que là nous avons un contexte qui est difficile, que nous dit l'agent lié. Continue musique. Mais c'est bon tout ça. Ça va bien bon, non? Et nous t'aimons bien ça. Eh, il y a quoi de ça, vous savez, monsieur? Et encore, barré votre main, bagasse voté encore. Bagasse voté encore. Barré votre main, bagasse voté encore. Barré votre main, bagasse voté encore. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Non, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Les filles sont ça, m'a besoin. Ils sont pas fins quoi, catholiques. Qui donc la société, bon, dit, on dit, bagay, c'est Jean Balan. M'a pas d'hypocrisie. M'a pas comme si bluff avec moun. Son pays est en difficulté, son pays nous besoin sauver. Pays a fini dans main nous. Et son constat que nous fait. L'État effacé, l'État effondré, l'État pas existé. Et une bagay que nous besoin, je dis, c'est travail pour nous rétablir l'autorité de l'État. Notre souveraineté tant que peuple. Qu'on goûte pour ça. Eh bien, la société, j'aime dire, non seul, après-midi, nous allons faire causer tout coûte à professeur, docteur, Gerbi Blaise. Bon, regardez si moi, monsieur Blaise, oui, mais elle sous l'écran avec nous. Avec lui, nous allons faire un petit brasser l'idée. Question posée, hein. Vous marquez nos 10 souffleurs, non? Qui ça, la loi dit, sous yon monde qui condamné dans un pays étranger, en pile parler sous dossier ça, à soya invité, non, c'est professeur, docteur Gerbi Blaise. Pour qui ça, nous allons faire un petit parler avec lui? C'est parce que, étant que monde, il y a un bagage, il faut nous apprendre, il faut nous connaître. Malheureusement, je dis, nous prenons spirale. Côté la jeunesse presque pas voulu apprendre. Ou pas qu'on y a la jeunesse dans des blousailles qui tombé. Gardez ce qui a passé là dans un H. Et m'a tout dit moun la police dans un H. Qu'on y a moi la police décidé pour l'arrêter, ti mesdames yo, faut te prendre la rue. Bon, c'est victime yo déjà. Son paquet ti moun qui pas éclairé. Et puis, gèle, parce que moi, quelqu'un qui gèle tatou, bagarre, ou quelqu'un qui gèle, gèle, quelqu'un diaspora tout profiter. Sans aider ti moun qui fait pantan sur technologie. Et puis, technologie après yo, bon, y a m'tende dans l'arrêter. Ou fait qui ça? Qui infraction au commet. Et d'ailleurs, bagay grave qui arrive parce que nan des policiers qui ont arrêté, qui ont dans téléphone, qui a partagé encore bagay privé sur téléphone, ou pas faire ça. Ou pas violer droit moun nan plusieurs fois. C'est victime yo déjà. Ou prendre ça tout. Donc si ou en temps normal, si n'a pas arrêté, pas on t'a pas arrêté. Mais ti moun mais canal ti moun ça m'a regardé là, semblé pas ti moun piti yo non. Bah yo mélangé, on quitte ça mais son pays difficile. Donc la jeunesse jodi, yo pas la prendre, yo pas relire, yo pas prendre temps pour tant de moun.
Yo plus souffert un jour et des bêtises par l'empire, mais vous parlez après. Et bien après média, l'été nécessaire, vous nous défendez parler. Ça fait longtemps que nous parlons de Professeur Blaise. Et nous, en 2024, nous avons déjà souhaité heureuse année, santé, bon succès. Professeur Gabi Blaise, bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Bonsoir, Tété. Et merci pour le VO, santé à surtout, comme vous êtes là. Et moi, salut toutes les fanatiques pour vous. Mais d'abord, permettez-moi une salutation spéciale et vos vœux de santé, longévité surtout, à tout le monde par les bouquets. Toutes les internes pour vous, toutes les fanatiques pour vous, à tout le monde par les bouquets. Mais particulièrement, ma maman, Baron Poukissa, qui est une fanatique pour vous. Oh, bonsoir, Tété, à ma gueule, l'autre manche. Bonsoir, Tété, allez. Donc, moi, salut, maman, Maria Loublanfort, qui est maintenant que les gamins, qui sont pour les natants auxquels, moi, salut toutes. En tout cas, quand je suis là, c'est originellement, je ne vais pas oublier. Je ne vais pas oublier ça. Donc, on salue tout monsieur, Barbie, Tete, William et l'équipe. Maintenant, merci pour l'invitation à Tete. Mais seul petit problème que j'ai gagné, c'est parce que vous annoncez un petit temps tout court parce que moi, c'était un vœu. Et dans un néant, pour ne pas parler du tout sur aucun sujet d'actualité. Et là, c'était invité. C'est difficile pour ne pas parler parce que. Très difficile parce qu'au final, on s'est mis hier, on va inviter. Et puis, c'est pas le cas. C'est comme un cas de net. Il y a des gens qui disent donc m'obliger et ne pas répondre de façon négative à Tete. Maintenant, merci pour l'invitation encore. Et si je ne vois pas maintenant, juste 3 minutes pour introduction. Et c'est pas sauf, même pas 3 minutes, 2 minutes. Moi, je n'ai pas intervenu sur ma vérité toute réflexion politique. Je n'ai pas évité toute subjectivité qui est basée sur l'expérience doctrinale. Parce que l'expérience doctrinale, il n'est pas sur réditoire en droit. Parce que l'été est invité, moi, même tout le temps que mon habitant, je ne peux pas le faire. Je m'en demande de ne pas faire droit en cachette tout le monde là. Parce que, bien sûr, des notions m'ont développé. Et moi-même, moi. Merci. Maintenant, on a prêté son analyse de technomatifio, constitution, convention, loi, règlement. Qui régit la société. Nous avons un choix d'été qui est très difficile, j'en fais choix tout, ce n'est pas facile pour me parler, pour ne pas arrêter bouche bée sur ces deux faits d'actualité, ce n'est pas facile dans le pays en Haïtien. Mais nous avons bataille contre l'entité, parce que le président de la dit ça, ni contre le monde. Nous critiquons tout secteur net, tout le monde, opposition, pouvoir, avec toujours Jovenel Moïse, monté dans le combat en 2019. Nous critiquons tout le monde, parce que si je passe le jour d'un petit jour en celle-là, moi, je vais payer ça tout à demain. Parce que nous faisons un vœu pour me faire vivre Haïti, malgré toutes les opportunités que nous gagnons au niveau mondial pour vivre. Doit être une discipline pour qu'on vive dans tout pays dans le monde. Et toute institution a toujours besoin d'un conseil, c'est le conseil juridique. Donc, on n'a pas quitté aucun monde intimidé, ni n'a menacé, ni n'a besoin de dossier de toute façon. Par contre, pour le tenir pour demain, mais je veux dire, moi, c'est parce que Balagnon est à recoucher plein de gens, que tu vas aller à recoucher, tu dis, 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 tu qui est fait condamnation pénale gagnée ou condamnation pénale à l'étranger. Avant d'entrer là, professeur Gabi Blaise, parce que monsieur, que, en dépit de tout ça, il y a un pile jeune qui est dans la faculté de droit, qui a suivi, il y a un pile l'autre professeur, un avocat, un pile juriste, un pile monde homme de loi qui a fait débat sur ça, qui a suivi. Je me même comme si, en petit coup d'introduction, on a parlé de droit pénal. De qui ça n'a parlé exactement? On parle de droit pénal. Droit pénal, c'est lui-même qui l'a. Pour régir l'organisation sociétaire. C'est que l'organisation sociétaire, parmi les sociétaires, les gagnants, ils posaient des interdits, ils posaient des conditions pour que les malades ou que les malades ne peuvent pas faire. Donc, tout comportement antisocial, qui est-ce qui l'a poli, le réglementaire qui régit, c'est le droit pénal. Parce que le droit pénal a des gains de bagaille. Lui dit, moi, poser interdit, hein, qui s'en est incrimination, hein, qui, c'est non, constitue, droit pénal général, là. Et lui, poser tout, s'en est l'un bagaille qui est l'un, sanction, s'en est l'un, peine. Maintenant, l'autre en droit pénal, ou pas à gagner, ils ont payé, qui dit, tel comportement sont interdits, par exemple, voler, c'est interdit. Viol, c'est interdit, parce que c'est des maladies qui sont mises sur ces pays-là, qui peuvent être positives à monde. On prend l'argent blanchi, blanchi, alter comme, sous précombe dans l'État, à l'investir dans ces deux, comme je l'ai dit, à l'investir de façon ici, dans ces deux entreprises qu'on gagne, ou fait, ou crier, c'est interdit, mais lorsqu'il est interdit à eux, l'État, la loi, dit, d'imposer un comportement antisocial, mais lorsqu'il est interdit, il dit, mais qui peine que vous êtes suivi. Donc c'est ça qui doit pénal là, doit pénal là, organiser, canguler, et lui régit, canguler, organisation sociétaire. Clair, nous d'accord avec ça. Pas de problème, professeur Blaise. Maintenant, nous voulons rentrer droite au but parce que il y a un sujet qui est actualité. Hein. Sujet A, nous pas prêté son cadre comme c'est individuel. Nous prenons un cadre général qui concerne tout le monde parce que ça arrive souvent. Mais puisque nous connaissons certaines fois, en Haïti en particulier, nous voyons politique là souvent primée sur toutes affaires de droit, sur le bagage juridique. Mais en nous-mêmes, réalité technique pour nous garder qui ça va aller. On imagine que, professeur Blaise, j'en pose des questions. Hein. On action qui posait en Haïti, il reproche mon bagage. Et yo arrêté mon nan en Haïti et yo voyé les États-Unis à juger, malheureusement, dit malheureusement, c'était le juge en Haïti la Kali, mais yon tribunal américain décidé pour condamner mon nan, pour ça reprocher que mon nan fait aveu, c'est-à-dire les coupables. Dis-moi, est-ce que condamnation ça a un effet sous ni côté au juge là, ni dans le pays mon nan côté où tu arrêté là qui c'est Haïti? C'est un bel sujet, et qui t'a demandé que pour un dialogue scientifique la dernière, malheureusement, que nous avons passé inaperçu, c'est même genre avec la question des sanctions des Nations Unies, nous
il parle d'une affection dans la société, il parle d'un débat solide, il parle d'un débat institutionnel, dans son lieu de débat auteur, dans l'université qui fait prestige dans la société, il est commettant et d'appareil sur la question du débat. Et c'est pas important parce que c'est l'engagé société et l'engagé citoyen. On condamne à son pénal à l'étranger PP, n'était pas limité au seul territoire, c'est sur quel côté mon nom condamné. Ça me l'est l'internationalisation des décisions pénales. Ou bien ça me l'est l'utilisation des décisions pénales. L'utilisation des décisions pénales, donc on ne parle pas de monde qui est sous l'île, des doctrines. Et n'a pas rappelé, par exemple, le dernier, pardon, un dernier test qui remet à peut-être celui en 2021, avec nos camarades moins qui feront un gros travail sur ça, sur l'utilisation des décisions pénales, c'est Vitarion Gianoulis, qui fait un travail sur l'île, centre de droit pénal et de criminologie, l'université de l'Université de l'Université, nous sommes dans la même année. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a l'assemblée au monde dans un pays étranger, ça vient et fait chanson d'identité dans l'autre pays. Pour qui ça? Pour qui ça, l'homme international établi et fait ça? C'est-à-dire l'extension des décisions pénales au niveau international qui sont prononcées par à l'étranger. D'abord, c'est pour protéger les citoyens. Et c'est important. Là, on fait extension de décision qui sont, par exemple, il y a un monde qui se dit que quitter et extradé ou bien démoni, je te fais, à pays États-Unis, soit en Haïti par les États-Unis, et puis États-Unis condamné mon cas. Eh bien, pour qu'il y ait extension, pour qu'il y ait décision, ça, ils vont être faits en Haïti ou dans l'autre pays. D'abord, c'est pour protéger les citoyens, pour ne pas venir deux fois. Ou bien pour ne pas venir, pour ne pas avoir sanction plusieurs fois, pour même bagaille, qui ont été commis en Haïti, ou bien qui ont été commis en Haïti ou aux États-Unis. Et ça, c'est un principe qui reconnaît sur le plan international. C'est pas mal à l'écrit, c'est pas mon dieu, c'est pas assez qu'il n'a pas écrit, c'est pas ici qu'il n'a pas essayé de vendre comme si on l'école, on l'idée, mais c'est un mal à qui est établi par des textes normatifs au niveau international. Ou pas bien droit pour suivre mon condamné plusieurs fois pour même mal à qu'il commette là. Et ça a été consacré dans l'article 14.7 pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est ça qu'on a dit dans le temps. Et consacré tout dans l'article 8.4 dans la convention relative aux conventions américaines relatives aux droits civils et politiques. C'est sans ça, et c'est ça, deux textes sérieux, ils ont traduit ça mené le sens de la centralisation des poursuites pénales. Pour qui ça, pour qu'on a contribué à bonne administration de la justice en matière de droit international. Ça veut dire que, pour harmoniser justice pénale là, États-Unis, Haïti, la France, Canada, donc ils ont centralisé pour suite pénale. Les canis, ça, on se dit, c'est un principe qui est fondamental, qui est reconnu par le droit international. Deuxième raison que vous consacrez question de effet sur Valia, on parle d'effet pour question de citoyens, nous parlons d'effet tout sur question deuxièmement, c'est pour sécurité territoire. Et dans la même question, avant de mal sur question de territoire, dans l'effet, ou même que vous posez des questions sur l'effet des décisions qui commencent à l'étranger, c'est le contexte là. Par exemple, le plan des mondes qui condamnaient, pardon, des mondes que l'ONU Nations Unies dit, moi j'ai une obligation de réserve parce que moi je fais partie des Nations Unies actuellement. Donc, l'ONU est des mondes que les Nations Unies commencent des sanctions contre eux-mêmes, par exemple. Eh bien, je dis, ou non, question de criminalité organisée en Haïti, ou non, avec terrorisme, peu importe. Et si vous avez jugé en Haïti, tout le monde aux Nations Unies condamné, en fait, pas condamné, mais qui prend des sanctions contre l'origine des sanctions, si vous jugez en Haïti, les États-Unis, même les Utah, arrêtez ou voyez aux États-Unis. Écoutez, les deux états juges, les États-Unis, nous en Haïti, en aucun cas, moi, sûr, à 100%, les États-Unis, pas qualifié encore, son principe. Il y a un avocat qui dit, écoutez, il a été jugé, on a été jugé, nous sommes bien condamnés, maintenant, on va pas jugé aux États-Unis encore. Deuxième raison, c'est pour question de sécurité territoriale, le pays, par exemple, en matière de terrorisme. Les détenants sont à voir, il y a un pire monde qui fichait sur le plan international. Et tu vas pas fichier dans l'Interpol, etc., qui termine à fichier, ou bien qui termine qui condamné qui, déclaré comme nous qui dangereux. Et là, sans ça, tout, après, c'est le loi de demande visa, on va lui demander, est-ce qu'on t'est participer dans un terrorisme déjà. Est-ce que tu es condamné pour un terrorisme déjà? Donc, c'est deux raisons qui fait que effet décision internationale qui commence à l'étranger, il y a effet sur l'autre pays, sans délai, l'internationalisation des décisions pénales, sans délai, l'extension des décisions pénales. Mais c'est plus sous premier aspect, c'est de, sous question de sécurité citoyenne qui fait actualité en Haïti actuellement dans ce pays, qui fait condamnation au monde à l'étranger, qui a exercé de trois façons. Et c'est ça qui est intéressant. Et fait condamnation au monde à l'étranger, qui a exercé de trois façons. Et c'est important. Mais ça a exercé de première façon dans le cadre, sans délai, en application de la loi pénale dans l'espace. Ça, ça veut dire l'application de la loi pénale dans l'espace. Donc, on n'a pas besoin d'un accord entre deux pays pour ça. On n'a pas besoin d'un accord entre deux pays, par exemple, entre les États-Unis et la pays Haïti pour ça. Mais il faut payer un côté criminel, en fait, un côté infraction, en fait, dans le sens infraction, en fait, en Haïti. Il faut que les États-Unis lui-même lui gagnent sa monnaie réciprocité. Infraction, ça, les reconnaît tout, par exemple, si on a commis infraction de blanchiment en Haïti, il faut que infraction de blanchiment, ça, les reconnaît en législation avec elle, dans sa monnaie réciprocité. Et il faut que l'infraction, maintenant, les gens se disent, existe dans tous les deux pays. C'est ce qui est fait de réciprocité. Et dans ce sens-là, si nous condamnons dans un pays étranger, donc condamnation ça lit automatiquement dans un pays citoyen, côté, mais effet et fraction. Ça, c'est la première façon que nous avons dit, et fait, ça l'est fait en décision internationale, ça a une implication, ça gagne automatiquement dans l'autre pays. Deuxième façon de manifester, c'est ça nous aider sur l'explication des décisions pénales. Et c'est ça qu'on fait actualité en Haïti actuellement. Deuxième façon de faire ça, c'est sous ça nous aider sur l'explication des décisions pénales. Dans ce sens-là, première façon de ne pas obliger à un accord, pas obligé à un accord international, pas obligé à un accord bilatéral ou bilatéral, c'est question de l'application de la loi pénale dans l'espace, qui commence en Haïti par exemple, ni et aux États-Unis, eh bien, Haïti, vous avez écouté son bagage, Haïti a demandé aux États-Unis pour poursuivre directement. Il a demandé pour poursuivre, non, l'État fait partie à Haïti, c'est le comité de gouvernement, ça a voué un pacte d'application, pas une législation aux États-Unis, pas l'autorité de poursuivre les États-Unis qui peut écouter le moment de poursuivre le bon pour moi. Le ça, il va le cas de la réciprocité sur l'infraction.
Deuxième façon, c'est sur l'intégration des décisions pénales. Les un, faut qu'on accorde, effectivement, faut qu'on accorde bilatéral ou bien qu'on accorde multilatéral qui existait dans, depuis le monde condamné dans un pays qui signe un ça. Qui va la décider? Décision ça, il reconnaît dans tout pays. Si on accorde entre Haïti, bilatéral entre Haïti et États-Unis, sous une telle infraction bien déterminée, blanchiment, corruption, si on parle de juger en Haïti, automatiquement, j'en suis dit tout à l'heure, il reconnaît, décision ça, il reconnaît dans la législation, dans la justice américaine. Non. C'est même genre, si on a les juges États-Unis, dans en Haïti, ou accord bilatéral sous ça, eh bien, écoutez, l'infraction ça, il reconnaît dans Haïti et niveau tout pour s'en accord multilatéral. Et c'est notre sensibilité, on sait qu'il y a une infraction qui entre dans les circulations des décisions pénales. Donc, nous prenons, par exemple, cas de blanchiment, cas de corruption, qui est consacré par une convention, qui est la convention du Palais des Nations Unies, qui était adoptée, conclue le 15 novembre 2000, sauf erreur de ma part, par un paquet de pays. Par un paquet de pays pour deux raisons. Pour deux raisons, tout ça a été conclu, convention ça. À cause, ça a soulevé, accord, convention, charte, protocole. Donc, en droit international, on sort de barrière de liberté formaliste, et que, on va dire, on va dire, charte, on va dire, l'accord, on va dire, protocole. Pour deux raisons, on a été conclu à cause ça. On a été conclu à cause ça, on sort d'une barrière, on dit, c'est bien dommage. On dit, c'est bien dommage, on dit, qu'au monde qui font en infraction en Haïti, pour réjouir, c'est bien dommage. Mais c'est dommage pour qui ça? Pour deux raisons, on a été fait, on a été conclu à cause ça. Pour pays, côté justice en faible. Parce que la BIP a été justice, non, la justice est mal, la justice est très faible. Et bien parce que pour protéger justice au faible, pour éviter l'impunité, quand c'est du monde qui fait beaucoup de temps, il n'y a pas de juger. Et pour éviter, et surtout pour ça, pour citoyens ou pas juger, ils ont tout dit qu'ils ne peuvent pas juger deux fois pour même balala. Et Haïti fait partie de la convention de santé à partir de 2011. Mais retournez sur ça encore, à partir de 2011, pour qui ça, Haïti signé à Kosara. Moi, je suis au gouvernement palestinien le 13 décembre 2000, mais il est parti dans à Kosara à partir de 2011, le 19 avril 2011, non, question parce que je pensais que ma vie est solide. Troisième façon, c'est quand on est sur fini, quand on effet sur le soutien qui a manifesté, troisième façon, c'est troisième façon, c'est condamnation étrangère à gagner sous le pays. Ça a eu par compétence universelle. Compétence universelle, c'est ce qui a été dit. Il y a des fractions que l'on pays dit écoutez, des comptes politiques. Par exemple, les États-Unis, il y a une grosse tragédie qui est passée en 2001. Est-ce que c'est en septembre 2001, il y a gagné l'événement qui est passé normalement. Oui, attaque terroriste, World Trade Center. Maintenant, il y a des pays qui écoutent tout crime contre l'humanité, liberté de compétence universelle pour juger ça. Par exemple, la France, nous comptons, comme l'organisation française, c'est bien, la France dit écoutez, tout le monde qui commet un crime contre l'humanité dans un pays, par exemple Haïti, vous mettez comme un crime contre l'humanité en Haïti, ou bien mon pays est à part, dès que sur le territoire français, qui s'appelle sur le territoire français, la France est contactée, ou soit on dit commet un crime contre l'humanité en Haïti ou bien en Afrique, dès que sur le territoire français, la juge automatiquement. Oui, professeur Biazola. Allô, professeur, oula, oui, on va avancer. Donc, la France va être établie en compétence universelle pour essayer de l'infraction qui est crime contre l'humanité. Donc, ça veut dire qu'il y a trois façons. On dit ça avant hier, l'homme d'a fait réaction sous tweet, sous déclaration, professeur Bernard Gousse. On va avancer. Donc, ça veut dire que l'idée que l'infraction pénale a lieu pour le territoire national côté crime dans le cas, c'est pas allié. C'est pas allié tout juriste qui, avec tout le risque que nous qui t'a avancé thèse pour début, si nous en commettons une infraction en Haïti, c'est là qu'il y a ou bien si nous condamnons l'État-Unis, c'est là qu'on a été, nous n'en avons pas le juge, c'est là. Parce qu'il y a plusieurs façons, j'en suis élaboré trois façons, on dit qu'on condamne son capet, mon pays étranger, et puis les effets sont l'autre territoire, malgré que le pas condamné sur le territoire là. Donc voilà en gros, et on mise en contexte en introduction de effets qu'en décision pénale qui prononce l'étranger italien sur l'autre pays, malgré le pas prononcé dans un pays. Ça veut dire pour me comprendre, pique les professeurs Gabi Blaise. Ça fait me comprendre que dans l'application droit pénal, la compétence li, donc l'île territoriale, mais Eiffel, pas territorial, l'île a été presque dans le sens universel. Bien sûr, c'est ça. Mm-hmm. Que, mais l'île pas la défense, sinon que. L'île pas la défense, sinon article 14.7 et pas que international relatif aux droits civils et politiques de l'île pas la défense. En pratique, 8.4 sous convention américaine de l'île pas la défense, parce que sinon c'était. Il y a eu l'île pas la défense, mais qui nous était là où est-ce qu'on a mission ça? C'est pas contre, nous, contre l'intérêt, c'est dans tout. Parce que gens qui ont prononcé tout d'ailleurs, ils prononcent son décision pénale contre aux États-Unis, ils ont dit innocent. Eh bien, même le langage, pour même faire, ou même faire son travail, ou pas lui, non. Donc, l'inaïté est citoyen, tout, l'inaïté est citoyen, Si mon Haïti, je dis, moi, je mets une faction, et puis je juge mon Haïti, quelque chose, j'en sais rien, moi, je suis à 400%, sur même fait ça. Que on dit que, bon, ça, c'est même dans mes rêves, je ne pas exister, moi, ça qui me détourne l'argent de l'État. Et puis, moi, quand l'argent, ça m'a évité, moi, j'ai été aux États-Unis, même quand il me vient, deux fois, quand il aux États-Unis. En Haïti, déclenchons pour suivre contre moi-même. Et nous, par ça, là, c'était une analyse, nous déclenchons pour suivre contre moi-même, nous jugez. Mais je t'appelle, c'est que m'appeler des décisions des tribunaux là. La Cour de cassation dit consacré en innocence, dit que l'innocence va faire rien. Eh bien, États-Unis, vous voyez que vous avez hôtel ou bien barré quand même. Il y a une investigation qui dit comme ça, vous êtes sorti, vous dites comme vous êtes détourné en Haïti. C'est moi, je vous garantis à 400%. C'est pas la même question que oui et blanc. C'est pas vrai du tout. C'est pas qu'ils sont blancs, c'est droit. Peu importe, blanc, vous avez fait des trucs cachés. En bas, ça va être la vie de 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 la
Donc, il n'y a pas de comme ça pour vous, comme vous pensez que vous allez faire et avec autorité. Donc, d'ailleurs, en diplomatie, les gens nous pensent que c'est. Oui, c'est la loi. Comme les gens nous pensent que c'est question de Bible en paraît, qui nous fait des barrages pour lui. Et nous avons un débat sur Jovenel Moïse, que tu dis en Jovenel Moïse, c'est quoi, il y a le signe de là parce que c'est pas question. Non, d'ailleurs, que le dernier des questions menace et qui vient en droit d'attention, ça va exister. Il négocie avant, il faut faire son petit peu quand même pour le passer dans la partie. Pour qu'il n'y ait pas de capacité de négociation. Et puis, il utilise les faiblesses pour y passer, mais c'est pas comme si un gros poignet, tu prends comme ça. Bien sûr. Maintenant, c'est nous-mêmes qui connaissons comment que pour nous négocier, pour nous parler avec l'international, c'est même dans tout. On décide qu'ils sortent en Haïti, en tous les unions. Et puis, ils sortent d'atteindre à quelle autorité de la chose jugée. Eh bien, États-Unis, avocat parle, c'est avocat dit, écoutez, puis il y en a des jugés en Haïti déjà, donc, nous ne pouvons pas subir, États-Unis, malheureusement. C'est la sécurité juridique. Nous avons des gens à côté. Nous avons une personnalité parce que c'est moi qui fais ça. Nous sommes que moi, j'étais en France en 2020. En 2020, j'étais en France et puis moi, j'étais gagné dans le dossier sur le général. C'est gagné et parquet qui était détenu, non, juge d'instruction, hein, qui était détenu des mandats d'arrêt. À l'encontre de plusieurs actionnaires de Sogénère. Parmi tout avocat, chaque actionnaire Sogénère a un avocat. Moi-même, j'ai représenté Dimitri Gomes. Écoutez, les, tout avocat de réunion, tout le monde a un point de vue, un point de vue par nom, c'était contesté et demanda. Ce que l'autre avocat était opposé à faire, c'était l'autre stratégie par nom. J'ai dit moi-même stratégie par nom, pour moi-même sécurité client, j'ai contesté mandat. Peu importe. Parce que l'ordre de politique, c'est pas politique pour faire ses droits pour faire. Bon, il y en a qui ont confiance, il a dit ok, c'est d'accord. Comme tout le monde vient avocat par eux, il a dit ok, il a dit agis pour moi. Donc, quitté la France pour le Covid, non. Maintenant, Haïti, je suis passé demain, maintenant, Haïti, le 14 mois. Non, 14 ou 16 jours. Vous comptez ce mandat de 16 jours, on commence le 14. Eh bien, écoutez, il y a arrêté Dimitri. Il y a arrêté Dimitri. Premier bagaille, Alistair, on estime que l'arrêtation, en fait, pas l'arrêtation illégale, on estime que le mandat illégal, on contestait. Premier bagaille, avocat américain, c'est réélimité. Moi, je me demandais, est-ce que vous contestez et mandat de mandat ça? On dit oui, vous avez mis. Deux jours, vous contestez le mandat. Eh bien, c'est la contestation de ce mandat, Kounian, qui fait que l'avocat, lui-même, l'idée comme Dimitri Aral. Lui, moi, j'ai expliqué. Moi, j'ai expliqué, moi, dit, mandat ça part à exécuter parce que le bon suspensif, il est contesté devant la cour d'appel. Il est comme Dimitri Aral. Donc, blanc, respecte les droits. Donc, c'est pas que nous mettons en tête, non, oui, c'est blanc, la peine n'est pas blanche. Non. Maintenant, je vous dis, hein, en décision qui sortit mon pays, qui sortit en Haïti, l'Ivine aux États-Unis, moi, je vous garantis à 300% côté que juridiction états-unienne, américaine, a respecté ça parce qu'il y a des décisions liées à une autorité de se juger. Maintenant, dans le cas de parler des traités de la Cour internationale, permettez-moi de vous préciser deux valeurs importantes, la question de partie à un traité. Qui l'a, ou même, on sait, on l'État, au pays, mais c'est membre, mais c'est parti à un traité. Parmi nous tout à l'heure, la question de pas en traité, accord, les bonnes libertés comme Alice, pour parler d'accord, bon, on a été moins bien, on pas pour modifier, pour nous, tout le monde a pu aller jouer l'accord international traité. Mais normalement, on a été traité, on a été chambre, on a été protocole, on a été bataille, parce que les bonnes libertés, comme formalité, dénomination n'importe quoi. Maintenant, le droit international des traités, c'est très important. Le droit international des traités, et norme nationale, ils ont tous les deux, ces deux valeurs différentes. C'est qu'ils ont juste de donner les corps autonomie. On va l'expliquer un traité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le droit d'être traité, c'est lorsqu'on signe un traité international. Avec constitution de violence, c'est pas dur. Constitution n'a pas été par la TTA. Ouais, non, les personnes internes nous disent comme ça que la hiérarchie normative, c'est constitution d'abord, et puis traité international, et puis loi, et puis règlement. Non. En droit international, par exemple, en droit international, chaque bataille est autonome. Traité ou signé que l'État ou la choix a été pour faire partie de l'IA. L'IA sont bataille autonome, l'IA propre autonome, pas en droit international. Constitution, l'IA propre autonome, pas. Ça veut dire que tout fin si on peut traiter, ou fin si ou ratifié. Des bouffins ratifiés, ou pas évoquer constitution là pour dire que oui. Pas qu'à oui, traité ça lui député, par exemple, en disant qu'il y a des cadets. On va d'accord mettre des tel monde parce que l'IA est contraire à constitution. Mais non. Non, on va évoquer constitution pour éviter, pour exécuter un traité international, ça va exister. Deuxième bagarre, c'est signature de traité qui t'a dit, en parlant de l'État. Lorsqu'une signe, et c'est très important, lorsqu'une signe en traité, il n'est pas conféré à l'État que le parti pour ça. C'est que Haïti signe en traité, on dit que c'est une chose d'intérieur, convention du Parlement, Haïti signé le 13 décembre 2000. Lorsqu'une signe en traité, Haïti pour parti à quoi pour ça. Bon, l'autre deuxième étape, c'est ratification. Ratification, c'est l'exprimer consentement pays. Donc, c'est pour ça qu'on fait Haïti, instrument de ratification par là, parce que instrument de consentement par là, il est réalisé par plusieurs façons. L'indication, ratification, l'indication, approbation, l'indication, adhésion. Mais c'est lorsqu'il dépose l'instrument de ratification ça, non, ONU, non, dans la Nations Unies, c'est le SAR, il considère comme une partie à TTA. Et lorsqu'il partie à TTA, il y a TTA, il est posé à vous. C'est peut-être que Haïti, la Convention parle de sous corruption, sous crime transnational, criminalité transnational, on pourrait Haïti venir partir la donne le 19 avril 2011, parce que c'est le SAR, Haïti, exprimer consentement, les déposer ratification. Pour les amis, c'est très important, on va le dire. Et son erreur, ça fait longtemps en Haïti. Moins de compte erreur, c'est des points car on est à vous. On va profiter de compte erreur. Bon, on va suivre. La 5 sur 5. Alors, la 5 voilà. Sur 5. Dépendez ouais à tout, mais par rapport avec chance moi j'ai moi une expérience moi j'ai une fonction dans la travail du bien la zone moi comprendre réalité doit être là. Et ouais que nous en Haïti nous dit oui, article 39 plan qui t'a dit, il dit écoutez, c'est accord là, il négocie accord et c'était négocié par le président de la République, il faut le ratifier par le Parlement. La ratification des statuts sont l'autre maladie. La ratification en droit interne, lit totalement différent avec la ratification internationale des traités. Et ça c'est pas moi qui inventé, c'est convention de Vienne, convention de Vienne, et article 102 chaque nation unie. Tout ça va dire. Ça veut dire que traité 1, lorsqu'il signe, nous ne sommes pas d'accord. Haïti signe en traité le 13 décembre 2000. Il faut passer dans un traité 1. On y est. Après, il y a 3 000 cas signés en traité. Les présidents, ou bien chef gouvernement, ou bien ministre à l'étranger. Ça a été les ex-officiers. Texte 1, il y a été dans le président.
reprends ça parce que le très important. Trois moun ou dit que qui capable signer un traité. Président, chef du gouvernement, chef du gouvernement, premier ministre, et puis ministre des Affaires étrangères. Mais le plus souvent combien, le ministre des Affaires étrangères pas déplacé par exemple par une cérémonie internationale, il va embarquer les pleins pouvoirs avec l'ambassadeur qui représente les Nations Unies. Ambassadeur qui l'a, ou bien ambassadeur qui l'a, dans le pays quotidien, dans le fait qu'il a plein pouvoir. L'État, son document écrit, il va le mandat, il dit, moi, autorisé, ambassadeur, non, représentant, non, autorisé pour signer l'emplacement, mais le pouvoir pour signer. Mais c'est trois mondes qui ont qualité pour signer en retour du là. Le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, l'Eltin signé texte en PP et TT, pardon, l'Eltin signé texte en CIT signé, il faut qu'on passe à TTA. Il faut qu'on fasse partie de Mambio. Il faut signer. Et c'est pour ça qu'il fait que, Constitution en mettre TTA, c'est d'autres constitutions en face. Et parce que voit ça, on parle avec des députés pour qui ça. Lorsqu'il signe le TTA, il y a la Rouabel. Le président, le ministre, à la Rouabel. Lorsqu'il est là, à côté du Parlement, pour le Parlement ratifier le pour vous. Parce que le Parlement prévoit, la Constitution en face le ratifier, et bien on fait ratifier la Rouabel. L'Eltin ratifier la Rouabel, la ratification en droit interne, c'est une sorte de mandat. Son mandat parlement va être évident. Il dit président, écoutez mon bon mandat, pour finir en traité, ou pour le bon parlement, moi j'ai des mots que conforme la constitution, non, la constitution noire, et bien mon bon mandat, mon ratifier, moi donc mettre à la ratifier sur le président. C'est ça où il est la ratification législative. La ratification législative, c'est mandat parlement par président, il dit que c'est fini, vous pouvez partir avec l'autre, vous pouvez partir de monde à quoi. Parlement finit ratifié pour, les parlements l'ont ratifié pour, et puis on va le sous international de l'Union, ou bien la Nation Unie, ou bien côté TTIA, qui c'est des mondes qui dépositaient là, parce que la Nation Unie a déposé là, contre tout cas, on l'a dit, on l'a organisé national qui dépositait là. Je n'ai pas parce que tu as dit que c'est déposé là, avec des cassés l'année pour nous signer. Et bien, président, on est pour vous écouter. Nous sommes dans le parlement, dans le parlement, dit, le président lui-même, lui, il y a un plein pouvoir ambassadeur là, ou bien déplacer, si on a compris, il fait des signes personnellement, ou bien premier signe, ou bien une carte de ou bien il y a un mandat, il y a un ambassadeur là, il y a un signe pour parce que le parlement ratifié. Maintenant, conséquence en CD. Si le président choisit de ratifier le premier, il faut instrument de ratification, instrument de consentement, il a ratification, il faut l'être. Il dit, écoutez, moins d'accord pour signer le traité d'État. Il est d'accord pour ratifier le traité d'État. L'Eltin ratifier le premier, eh bien, il ne vient pas s'y aveugle. Il ne vient pas s'y avec la porte à premier, il ne va pas gagner sa porte. Avec constitution, ça, on ne vous dit pas comment avec l'État, c'est pas d'accord. Professeur Blaise, où est parti, ça va expliquer là? Il est extrêmement important et faut qu'on ait un niveau pour le comprendre, ça va parler là. Je pense que je dis à nous prenons nos situations de wagonnage, bah, yo compliqué de vendre, non, mais non, parce que nous gagnons une société qui presque pas de référence, presque pas de modèle. Son jeunesse, bon, des guettes. Yo pas sous ni apprennent rien, yo sous TikTok, fait toute qualité causée, mais yo pas prend temps pour autant de monde qui a parlé. Ça va dire là pour sem, pour me réfléchir, pour me dire société, ya. Attention à mon avoué dans le Parlement. Effectivement. Parce que, yon bagay, d'après ça, me comprendre, professeur, vous avez expliqué là. Traité à la parole automatiquement, nous finir ratifiel. L'Ipral fait partie de source droit nous. Automatiquement, on paye ici, on traité, l'y ratifié, l'Ivine fait partie de droit nous, de droit pas nous. Ça veut dire que si le Parlement haïtien, pas de monde qui a un niveau, pour garder ça qui est dans le traité, si l'y compatible avec sa constitution, dit, est-ce que nous, on a qui ça nous apprend? Parce que pile monde qui a parlé dans les médias, donc pas qu'à poser tête en bas, on va me comprendre ni sens yo. Là, oui, constitution dit, ok, mais attention, et ça qui va dire, et les non dit. Professeur Blaise, je pense que parti ça, li extrêmement intéressant parce que droit sont belles bagages liés, droit c'est débat, et je pense justement, fuck, des monde qui connaît, qui prend du temps pour faire débat sous question yo. On nous retourne sur petit parti ça. Vous savez, mettre que tu as du verso. Il remet la réponse, il est professeur Blaise, il remet parti ça. Professeur Blaise, on nous font retourner sur question traité A. Ok. Maintenant, je te dis, un traité ou bien un accord en protocole, binational ou multilatéral, il gagne deux étapes là-dedans. Trois étapes même. Première étape là, c'est négocier. Négocier le chose de l'ALEA, président, c'est lui-même, dans le cas d'Haïti, législation haïtienne, non, article 169 de constitution, c'est le président prérogative, pour être capable de négocier, traité à compte national. Mais le président l'a négocié, il peut discuter sur lui. Il va y mettre des réserves, il va proposer un amendement, il va le faire là, on parle de son texte d'extradition. Président haïtien, président français, président américain, peu importe, chef du gouvernement et barbaritaire a dit que c'est parti. Gonti et qui m'a placé là. Et c'est sur ce dit-là. Gonti et qui m'a placé là. Gon, ou à l'Ipabon, ou à pas bon là. Pour moi-même, je me propose de faire un mandat. Professeur Blaise, ou tellement parler l'huile, permettez-moi de lire l'article là pour pays. Hein? Article, parce que depuis dans section B, des attributions du président de la République, qui depuis l'article 136, que nous habitons à répéter, mais article 139, là, il dit que le président négocie et signe tout traité, convention et accords internationaux. Et les soumet à la ratification de l'Assemblée nationale. Vous m'avez avancé. Donc, effectivement, maintenant, le président a une prérogative pour négocier ce texte-là.
négocier le dossier, c'est discuter très bon pour pays en conformité avec la constitution là. Encore une fois, professeur. T'as senti où est son débat n'a fait là? Où est pas interview? D'où la nécessité pour nous suspendre, voter moun incompétent, mettre dans pouvoir yo. Parce que le président, faut qu'il ait capacité de négociation, faut qu'il ait négocié pour le pays. Alors, par rapport à qui parle ni lecti ni écrit, et vous mettez comme chef de l'État. Vous mettez devant ces professeurs. Le président qui négocie des clans, qui ça le fait, c'est. Il dit bon, ministre, le plus souvent, la négociation de l'accord ou bien du texte international, c'est toujours fait effectivement. Le président, c'est le chef, mais il fait ça. En réalité, il fait pas ministre à ces dangers-là. Maintenant, il négocie, il dit mais ça vous d'accord, mais ça donne, et puis c'est capable au vote. Tout le monde est d'accord, c'est quand il est fini, c'est finalisé dans tout le pays. On dit 40 pays. 40 pays, ça veut dire d'accord sur ce texte-là. Combien pays quasien. Haïti choisi pour signer. Moi, je dis tout à l'heure, il y a trois mondes qui viennent prérogatifs pour signer un texte international, ça nous les ex-officiaux en droit international des traités. C'est le président de la République, le chef du gouvernement, ou bien le ministre des Affaires étrangères. Si il y a une là-dedans, il y a tout à empêcher, il y a un plein pouvoir avec ça nous les ambassadeurs ou présidents par qui dans le pays. Maintenant, vous avez aussi signé un texte-là. Vous avez signé texte-là pour rien, il faut qu'on fait partie de l'accord. Non, il faut qu'on membre. L'officier est extraordinaire. Le droit international doit possibilité de vous officier. Pourquoi pas venir faire chier à demain si Dieu veut? On va venir dire que vous êtes signé dans la constitution là, à la carouette là. À présent, c'est du parlement là. Et c'est là, c'est ce que je veux dire. C'est important qu'on gagne des parlementaires, c'est pas vous présenter. Le tout contexte là, on se signe, on dit on se signe en Italie, on dit on se signe en New York, en États-Unis. À la belle là, on a besoin pour réfléchir, pour soumettre à parlement là. Et c'est parlement là qu'on est sanctionné, il va dire oui, nous, avec les conformes, les ministres et les nations noires. Président de mon mandat pour ratifier l'union. Mm-hmm. Donc, ça fait deuxième étape qui c'est premièrement au fil négocial, mm-hmm. aussi sur le plan international, mm-hmm. et vous allez retourner là où elle fait ratifier l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Donc, la ratification législative, c'est lui-même qui sont sur le mandat du président pour la ratifier et l'enfant sur le plan international. Donc, c'est deux ratifications. Maintenant, c'est la ratification sur le plan international, mm-hmm. c'est lui-même qui convient une partie à cet état. Et depuis qu'il est ratifié, il va dans l'union 400 fois pour être difficile. On a dit que. Comme nous ne pouvons pas parler de Kodia parce que nous n'avons pas de parlement. Parce que lui bien dit, il faut qu'il est ratifié par l'Assemblée nationale, ça veut dire ensemble deux branches parlement, la Chambre des députés et le Sénat. Donc pas de ça. Cependant, on a dit que tout ça fin fait, président, les négociés, les siens, etc., et puis l'hypothèse de l'Assemblée nationale pour ratification, il a ratifié texte-là, texte publié. Voilà que l'autre gouvernement qui vient après, il estime que texte-là a été mal ratifié, est-ce qu'il y a une capacité pour révoquer texte-là? Peut-être pas. Mm-hmm. C'est bien, je comprends pas que vous posez question ça. Yeah. Et peut-être pas, doit être national bon possibilité pour capable de faire un salaire pour dénoncer des clans. Ou bien, pour dénoncer des clans, par exemple, on m'a posé ma parole. Le premier ministre Ariel Henry nous dit que l'histoire communiste n'est pas tout. Oui. Mais désolé, le droit international dit, il n'y a pas besoin de connaître, est-ce que son gouvernement pas intérim, dès lors que son chef de gouvernement il a le droit, et il doit signer tout accord international. Il va passer pour le sien. Maintenant, l'Alpine signe, nous estime, le Parlement estime que le gouvernement son gouvernement n'est pas tout, il va dire la sienne, c'est le Parlement qui a le droit, payant le gouvernement qui vient de l'Italie, il va dénoncer des clans. La vie, écoutez, moi, je m'en dépêche ça pour me retirer la donne de la capacité. Intéressant. Maintenant, bon, l'autre bagaille, en droit international, si vous faites un accord à l'Afrique, vous faites 20 ans à l'Afrique, en tout exemple, vous n'avez pas d'accord qui existe là, vous êtes en Haïti et les États-Unis. Mais Haïti, Haïti, par contre, vous ne pouvez pas faire moi et contre. Moi, je dis, si vous avez mis de la justice, prenez acte de me poser. Vous avez précisé le premier, maintenant, 24 heures après, c'est à demander au ministre étranger là, vous voyez tout accord, je dégage tout accord à Haïti signé, surtout après 1945 que les Nations Unies sont créées, vous et le gouvernement pour nous publier. C'est important. Parce que Haïti, c'est autant que mon avis, Haïti passe un accord sur question de tradition. C'est pas possible. Vous parlez d'accord Haïti là, oui. Non, moi, oui. On paquet d'accord sur question de tradition. Hey! Haïti tien. Eh bien, oui. Mais nous, pas qu'on est. Maintenant, c'est deux voies, c'est Wall, mini-justice là. Et mini-justice là, en Carento. Madame le prophète, les cas, demandez ministre à l'étranger là, M. Genius, lui demandez, lui dit, écoutez, dégagez-vous. Je ne pas dégager, mais dégagez-vous dans le sens, pour question de collaboration interministérielle. En ouais, en joint. Tout traité haïtien pour nous publier parce que la protéger les citoyens. Non seulement les citoyens aujourd'hui de l'introduction, non, mais la bonté pour la sécurité de l'État. Maintenant, depuis qu'on finit de ratifier à cause ça, donc on député, maintenant, si on ne peut pas exécuter le premier problème de ça, on va voir que il y a condamné Haïti devant la Cour de la Cour d'appel de justice. Maintenant, on dans ce bilan, si mes CTT pas gagné qualité pour se signer sur la Cour nationale, c'est le même président. Ça me fait, moi, dénoncer à quoi? On dit, moi, pas d'accord avec, parce que mon tétien, on dit, pas d'accord, mon sotigue, et non, à quoi? C'est ça, tout à fait. Mais tout le monde va dénoncer à quoi il était applicable ou pas, ça? Vous en dites constitutionnel, vous dites constitutionnel, parce que vous voyez tradition. Non, mais comme ça. Constitutionnel, parce que vous voyez tradition, mais aussi, on a quoi, international, c'est tradition. C'est ça, comme je dis que la constitution, c'est-à-dire le droit interne et le droit international des traités, il y a une autonomie par eux. Ou pas à côté de mes constitutions, là, vous dites, ou pas exécuter un traité international. Non. Maintenant, on est sur le plan interne. Ou pas bloquer l'exécution. Ça, c'est au même sur le plan interne devant juridiction nationale, mais ou pas empêcher pour décider. Maintenant, bon, la constitution, vous avez fait, c'est important dans ce dire. Ça vient de dire, même là où il y a des mais si on a un accord d'extradition avec les États-Unis, par exemple, ou fait 50 ans, on va voir qu'il y a un article. On dit aussi, il y a 1950, on va voir qu'il y a un article. Tout le gouvernement qui vient de venir, le gouvernement préval, le gouvernement Matéli, le gouvernement Aristide, il n'y a pas de dénoncer. Là, on parle de dénoncer, il y a besoin de dénoncer tout ça.
parce que bon consentement par la pratique que vous faites. Parce que c'est quand vous pratiquez, vous avez besoin de démontrer. C'est là, il dit, ah oui. C'est là, le phénomène va dire, écoutez, vous avez tellement d'accord ou pas de vous, parce qu'ils sont théoriciens, et bien, il parle devant la Cour internationale de justice, quand la justice va dire, écoutez, ou pas qu'à venir dire ou à dénoncer le gouvernement, parce que c'est total, parce que vous avez un consentement pratique avec régularité, donc vous pas à dénoncer encore parce que vous avez trop de temps pour pratiquer. Donc c'est parce que, je vous dis, il est important qu'il y ait des gens qui va là, qui représentent la piscine dans le Parlement, parce que nous avons apprécié, créé à l'église de le président de Bayo, pour lui-même, pour lui-même, pour parlementaire, pour l'analyser, pour dire est-ce que c'est calico pour la question, ou est-ce que répondre avec valeur, pays, nous, etc. C'est même, par exemple, sous fin si on a encore un bon exemple, comme ça. Sous fin si on a encore sous question de homosexualité, mariage ou homosexuel, par exemple. Nous même dans pays nous avons une tradition que non pas cette promotion pour l'homosexualité même leur droit etc. Là on respecte non professeur Martin Bouba même pas qu'on négocie non où elle est non non mais nous pas qu'on est c'est même sur le cap là on tire bagarre qui fait au cap et même dans tire bagarre là là moi j'ai deux monde qui gagne les deux filles qui gagne les passer main sur l'autre et que bah on envie prendre un pays ou pas font coup de jeu ou pas ouais nous gagne ça nous on dit ah il y a tes propositions bagarre comme ça dans le parlement faut qu'on tellement gagne encore nous pas qu'on tire là ça dit faut nous poser des questions ou pas ouais ça. La première étude qui a été et à laquelle je suis soumis, c'est que moi, j'ai une obligation de réserve pour que je m'en travaille là. Okay. Je ne parle pas, mais la deuxième, entre tout, moi, j'ai une obligation de neutralité. Oui. Parce que quand tu fais partie des Nations Unies, ou obligation de neutralité ou pas. Oui, mais on va, mais quand même, je ne vais pas tomber sur le pari comme ça. C'est bon. Et maintenant, tout finit en accord pour homosexualité ou reconnaître mariage homosexuel. Et puis, vous dites contacter au fin ciel, et vous, au bord de la Constitution, au ciel ou artificiel. Mais c'est après que vous dites contacter les pas gagnés, les pas traités, valeurs que nous gagnons, que nous gagnons. Non. Maintenant, vous ne pouvez pas répondre bien au Parlement. Des parlementaires qui ont une capacité d'analyse, de réflexion, pour qu'on dit, écoutez, c'est ça, il va refléter valeur la Réunion. Nous, comme un président droit, nous avons un mandat pour la cité supranationale. Donc, ça fait que l'important, effectivement, qu'on ait des gens qui sont valables dans le Parlement. Et c'est notre capacité qui fait que nous avons un sujet d'actualité. Peu importe, on va dire personnalité, mais c'est important parce que nous réagissons sur l'histoire. Le Haïti vient d'appliquer la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, qui s'est conclue le 15 novembre 2001. Que nous avons dit tout à l'heure, Haïti vient d'appliquer la Convention le 19 avril 2001. Nous sommes énoncés à l'heure principe directeur de ratification accord qui vient au regard de convention, d'une convention vietnam qui c'est convention 69 et 46 ans, et surtout au regard de l'international des traités et au regard de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. C'est dit. Qui s'est passé? Il y a des juristes haïtiens qui disent, mais non, Haïti, moi j'ai eu une discussion avec un grand juge qui est compétent, qui dit, mais Gabi, bon problème, parce que constitution haïtienne, il n'est pas prêt à faire interdit extradition. Il dit, mais ça c'est le problème d'Haïti, ça ne regarde pas le droit international. Donc, on va bien dire, et constitution là, effectivement, que lui-même n'est pas connu, nous, jusque sous ça, moi-même, pas connu tout, ou dans le droit international, ou pas qu'on écrit dans la constitution là. Que vous dites qu'il va pouvoir écrire des choses, parce que vous êtes dans la constitution, si l'État n'est pas dépôt, l'État de l'homme, ou l'État de monsieur Dicky, vous n'allez pas vous aller, parce que vous êtes dans d'accord, vous êtes signé convention ça, convention et dominant. Professeur Blaise, parle pourquoi aller vite là? Parce que majorité de monde qui prend position des avocats, bon, quand même anciens, n'attendent pas dans le pays, hein. Ils ont tout dit que pas de jamais de question accord, pas de jamais de question aucun accord qui est signé, accord comme si traité d'extradition entre États-Unis et Haïti, pas de jamais de bail comme ça du tout. Qui est-il mis en capoté en plus sous nous? Parce que c'est vrai, on évoque la question de 2000 ans, mais justement, on continue à dire ça dans les médias, sur les réseaux sociaux, ils ont dit pas de jamais de accord qui est signé entre Haïti et les États-Unis pour question d'extradition. Pas non plus éclairage sur ça. Ok. La première façon, en fait, pas la première façon. Premier conseil que ma baille, je vais sur les réseaux qui sont, quand y aller, il y a un côté pour qu'on recherche dans la section de la députée. Regardez pour moi. Regardez pour moi, est-ce que Haïti, d'abord, parce que je vais faire une recherche, est-ce que Haïti va signer un accord bilatéral avec les États-Unis sur question de l'extradition? Deuxième point qui est important, c'est que vous le connaissez. Haïti n'est pas obligé de signer un accord bilatéral, mais dès lors que Haïti signe un accord multilatéral qui vient partie là-dedans, qui est Haïti partie là-dedans, États-Unis partie là-dedans sur l'extradition, automatiquement, il y a une extradition entre Haïti et États-Unis. Ma vous pouvez me dire. Bon accord qui signe sur l'extradition, qui dit Haïti, Saint-Domingue, la France, Canada, Barbade, peu importe. Je veux dire qu'il y a 40 pays qui ont signé son accord d'extradition. Je suis d'accord que si vous avez une façon qui commet tout dans le territoire 40 pays, vous payez l'autre, vous n'avez pas demandé pour le cadet. Automatiquement, que Haïti, il n'y aura pas d'extradition avec les États-Unis. Il y a l'État bilatéral, les multinationales, les multilatérales. Donc, moi-même, je connais bien des accords qui existaient entre eux, en tout cas Haïti partie la donne, ni États-Unis partie la donne, sur question d'extradition. Les batailles, c'est que vous avez recherché d'abord. Parlez de ces questions, moi, je suis en pratique, mais ça va être 17, c'est pour ça que non, c'est pas la pratique. C'était moi sur Julien Cop. Blanc, pas jamais de malade, il connaît qu'il va exister sur le plan et illégal. C'est pas si on va aller bannir, mais là, chercher question légale. Ouais, faut le gagner appui. Nous faisons débat ça. Appui légal, la chercher quand même. Ouais. Et ça te fait souvent, il y a un serveur, on sait qu'il n'est pas fini clair, parce que là, on travaille dans l'espace, on dit, ouais, on vient ça. Donc, nous voulons tel bagaille, sous pas, on fait tel bagaille, donc arrangez, on nous tel bagaille. Mais, il n'y a pas fait, il y a même, il faut faire. Et ça fait un pile qui pas droit, soit nous prudents dans l'élection de quelqu'un dans le pays. Pour nous pas voter nèg qui dans drogue qui dans kidnapping qui dans gang qui dans vol qui dans corruption parce que nèg ça a gon épée Damoclès sous doyo yo pas jamais ka négocier ces deux bagages pour le pays on met devant ces professeurs et c'était là ministre sur bon vous travail pour faire qui est important parce que tu es la qualité bon à travers tu es la qualité c'était ministre sur bon vous travail pour faire
avec le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, mon ministre des Affaires étrangères, c'est important pour nous parce que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité dans notre grand pays. Il était objet de débat. Et puis, le gouvernement réel a été rapide. Le gouvernement réel a été rapide. À travers une question de notion, mon cap défendre, les partisans de Guy Philippe, les refusés de Guy Philippe. Moi, je connais personne avec Guy Philippe, je ne connais même pas. Non, ma défense, c'est ce qui est important. Et ça m'a défendu du bon pour Guy Philippe, tout demain, si je veux, il y a Guy Philippe, il n'y a pas de président, même pour la présidente. Je vais essayer de CIA, il y a Guy Philippe, il y a USA déjà. Nous connaissons déjà. Nous ne parlons pas de juger pour blanchiment. Et n'attends pas, ma petite parenthèse, moi, étant de gagner des juristes qui énoncent, qui disent, oui, infraction du blanchiment, il faut consacrer un endroit éternel, un endroit haïtien, parce que bureau pour chez Guy Philippe Défait qui passait en 1997, alors que le blanchiment est consacré en 2001. Là, on l'a utilisé de ce petit DP. Il est écrit sous ça. Le blanchiment, c'est une infraction occulte. Ça veut dire une façon occulte. Une façon occulte veut dire qu'il y a un exemple très facile. Je ne dis pas exemple ça, même pas le temps encore. Je suis dévoué pour. En tant que M. Guy Philippe, il a reproché des faits, il y a des faits de corruption, il a commis en 1997, il y a un problème. Même l'agent ça, en 2017, il aurait été investi en 2000. En 2001, il y aurait que. Pas dans 2001, en 2001, il faut qu'il y ait à l'agent qui est fait en 2017. En 2014, Guy Philippe, l'agent ça, pour le cas financé, on passe dans l'élection. Écoutez, le blanchiment commence à partir du dernier acte qu'on commet là. Oh, non, ça est important, oui. Ça est important. On va reprendre. Oui, reprendre le peuple là. Je reprochais Guy Philippe, par exemple, des actes que tu commets, moi, admettre, je dis, que Guy Philippe, il y a des actes, il reprochait en 1997, pas de problème. L'agent de 1997, il y a investi, il y a son caravel depuis en 2001. Alors, ça fait exemple, n'a pas, oui. Oui, exemple, oui. Il y a investi comme ça, la chambelle caravel, Jérémy, en 2001. Là, c'est 3K, par exemple. Il y a un Nakayo, il y a l'élection en 2015, qui s'est fait, il vend un Nakayo, il investit dans l'élection là. Le point enquête, regardez, ouais, comme Guy Philippe est investi dans l'élection en 2014-2013, il fait campagne, c'est la Nakayo. Eh bien, le délai de prescription de blanchiment, il commence à partir de dernière action que vous avez. Dernière action que vous avez. Posée, c'est l'État qui a fait révéler que le blanchiment est une façon occulte. Maintenant, ça n'a pas qu'un bête, vous ne pouvez pas défendre Guy Philippe. Dis-moi, je vous dis, pas que moi-même, je vous dis. Je veux dire, ça va être ça, mais je veux dire que l'avocat Guy Philippe, je ne vais pas défendre ça. Et moi, c'est que mon cas défendre Guy Philippe, ça va être un interdit. Je parle en interdit pour dire qu'infraction États-Unis, l'IPA le reconnaît sous plan national, sous plan interne haïtien. Je parle en interdit pour dire qu'on s'appelle infraction ça, puisque le commerce académique en 1917, donc je parle aussi du blanchiment en Haïti. Ça n'a pas qu'un défendre, c'est ma meilleure façon pour le défendre. Donc, il y a un argumentaire peut-être qui est défendable, mais franchement, ce ne sont pas les meilleurs moyens de défense que pour Guy Philippe. Maintenant, pourquoi ça me dit ça? C'était sous l'article 5 là. Et moi, même l'article 5 là, on a aimé pour l'article. On peut se débat, pas un débat sur ça. Je vais lire l'article 53. Conférence, on va lire pour qu'on ait sous permettre. Comme deux secondes, je vais lire pour l'article 53 sous. Très bien. Ok, article 53 sous. Je vais lire pour tout le monde hôtel. C'est conférence des parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Conférence des parties, ça, c'est un texte, en sorte de décret d'application de convention. 2000 ans, nous vous souvenez de la convention Palem 2000 ans. Convention Palem 2000 ans, c'est une convention qui est dit, qui fait par tout pays, Haïti fait partie des qui dit qu'on va s'arrêter et criminalité transnationale, qui est blanchiment là-dedans. Là. Maintenant, il y a une conférence des parties à la convention des Nations Unies, et il y a une conférence le 7 août 2017. Il y a dit, mais qu'est-ce qu'on a pour nous faire une meilleure application de convention de ces signes? Qui ça, article 53, dit ceci? On va avoir un débat sur la question de reconnaissance mutuelle de décision pénale. On va le dire. Donc, décision qui soit si condamnation du Philippe Blanc, est automatiquement transposée en Haïti. On va dire article 53, vous, c'est ce qui ça le dit. L'article le l'intitulé c'est effet du transfert des procédures dans l'État requérant. État requérant, c'est l'État qui demandait moi. Par exemple, si États-Unis demandait M. Guy Philippe à Haïti, États-Unis c'est l'État requérant, Haïti c'est l'État requis. L'article 53. L'article 10 du traité type, ça veut dire que d'autres traités de convention par l'EMNA. Ouais. L'article 10 du traité type prévoit qu'une fois que l'État requis, en parlant de Haïti, a accepté d'intenter des poursuites contre le suspect, l'État requérant, États-Unis, suspend cette poursuite sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'État requis. Jusqu'à ce que, et là, nous allons là, jusqu'à ce que l'État requis, Haïti, à savoir à l'État requérant que l'affaire a été définitivement tranchée. C'est pas un débat. Tout ça, qui t'a dit? Non, faut t'en reprendre encore. Faut t'en reprendre là. Seulement le texte là encore. Ouais, l'île pour peuple là. C'est, moi, je vais te dire, je vais finir de comprendre. Et c'est ça qui mettait confusion. Hein. C'est là, je m'attendais. Je suis pas sûr que, bon, pour moi-même, professeur Blaise, son référence pour moi, qu'on voulait le comparer. On ne peut pas parler parfois à toi, professeur Saint-Louis, mais qu'on y a l'anticraste dans l'autre bois. Mais professeur Blaise, son référence pour moi. Et là, son docteur lié, c'est pour cadre de Ophel. On dit ça déjà. Maintenant, en pile débat qu'a fait maintenant dans ce que tu as parlé, bon, ancien, gros avocat dans le pays, est-ce que c'est lié au manqué lié, ou bien est-ce que ça est lié au pas comprendre lié, ou bien c'est exprès au fait même pour capable bouiller ses veines, peuple là? Qui la gagne plus? Parce que c'est le débat qu'on a fait dans les médias, qui la gagne plus dans la confusion, hein, oui?
Parce que chaque nèg vient à un bagaille pa yo, yo dit ou mais ça la loi dit, alors que ou pas avoir un texte légal qui explique Jean Abdil là, mais ça la loi dit. Relé article 53 pour pays, professeur Blaise. C'est peuple a besoin de ça. Ah, moun qui sont fait débat, yo besoin de partir ça. C'était honnêtement, on ne peut pas de bon sens, mais honnêtement, mon peuple, juriste qui évoquait que condamnation pénale, monsieur Guy Philippe, là, n'y pas à Vissabana, parce que yo de bon sens. Pour qui ça? Nous avons dit tout à l'heure, c'est que nous pas faire recherche là, nous pas les traiter aux amis. Et pour là, nous avons problème d'état parce que nous pas publié en Haïti, quand nous publions. Parce que texte par contre à la connaissance du juriste. Moi-même, mon bon sens, je dis, moi, je fais recherche, moi, gagne. Ou pas bon sens, moi, je fais recherche, ou du gagne. Il y a des avocats qui font recherche, on peut gagner. Il y a des avocats qui va gagner possibilité, base de recherche, ou bien, il va pas faire temps pour faire recherche, ou pas de texte, mais texte publié. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, insister? Et c'est la fait que les juristes qui disent, pour la raison qu'ils ne veulent pas être dans la loi, moi, persistement, dis non, moi, à 300%, oui, condamnation, monsieur, Guy Philippe Blanc, il reconnaît automatiquement la loi. C'est mal vu, pour qu'il s'en a effet du cancer des procédures dans l'état procédure, ça c'est l'intitulé du texte de l'article 53. L'article 10 du traité type, traité type par bien de la Convention du Calais, qui sont pour corruption, blanchiment. L'article 10 du traité type prévoit qu'une fois que l'État requis, Haïti, a accepté d'intenter des poursuites contre le suspect, l'État requérant, les États-Unis, suspend ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'État requis, jusqu'à ce que l'État requis fasse savoir à l'État requérant que l'affaire a été définitivement tranchée. Je continue. À partir de cette date, à partir de date que l'État requérant a été tranché, à partir de cette date, l'État requérant classe définitivement les poursuites à l'égard de l'infraction considérée. C'est ce qu'on a fait l'été, c'est ce que je viens de dire, ou pas à juger le monde de France de l'Adèle. C'est clair, c'est ça, M. Vodel. C'est un texte qui dit. Texte l'a dit, depuis, par exemple, États-Unis mandé Haïti, il dit, bon, M. Guy Philippe, parce que nous avons jugé. Haïti a dit non. Nous étant la caille, mais il y a des poursuites contre lui-même. Mm-hmm. Automatiquement, États-Unis a dit non, tu sors, tu poursuites la caille, parce qu'on a jugé la caille. D'où la nécessité, professeur Blaise. C'est ça, m'a dit mon chaque jour. Si il y a des nègres reprochés de bagarre en Haïti, il est nécessaire, je vous dis, pour la justice haïtienne, tu as pris responsabilité. Parce qu'on pas qu'on reproche de bagarre, alors que la justice haïtienne fait silence total, alors que y a un argument, y a un élément dans mes yo, si toutefois, tu as pris une décision de justice contre mon zayo, quelque part, ils ont protégé mon yo quelque part. Si Maintenant, le principe général en droit international, c'est que, et c'est pas moi qui ai inventé, nous dit l'article 14.7, pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous consacrons l'article 8.4 convention américaine relatif aux droits de l'homme, nous consacrons moins d'une dans le travail de recherche, dans le travail de ou pas à juger au monde de force, mais malade pas exister. C'est dans le monde de la société lié. Mais là, article 53, sous conférence des parties de la Sous-Union, il dit encore là, il dit, depuis par exemple, États-Unis mandé, M. Guy Philippe, il dit, bon, moi, je demande de gouverner bon, Guy Philippe, je me rends compte convention multilatérale, il dit oui, pas vous le moment, convention parlée de 2000 ans. Il a dit non, il a dit non, pourquoi vous ne pouvez pas vous le parce que vous ne pouvez pas vous le dire, poursuite politique. Automatiquement, les États-Unis, la suspendent sous poursuite par là. Ou non, si les États-Unis ont des informations, par exemple, dans le cas de blanchiment, il y a un cas de Philippe Miami, il y a un cas de Philippe New York, il y a des informations, ça y est, mais l'autorité judiciaire est mieux dans le cadre de l'entrée judiciaire. Est-ce que vous avez un professeur Blaise, mais problème, est-ce que mon yo qui dans l'État, qui est autorité, qui est dans le ministère de justice, etc., est-ce que vous n'avez pas de compétences vraies pour comprendre ou bien connaître ça va expliquer là yo? Parce que écoutez, nous, c'est tellement nous marcher tête baissée devant blanc, comme si malgré des accords, des traités, des conventions, des bails que nous ratifions, nous signons. Mais Bible en parlait, nous courons, oui, amen. Alors que nous avons un argument que nous avons défendu tête, non. Mais oui, parce que là, nous parlons. Il y a des arguments maintenant. Le coup qui s'est passé, vous pouvez voir, échange ça, vous avez le transfert des informations. Si Haïti dit poursuivre M. Guy Philippe, et puis États-Unis dit, OK, sous-titrage poursuivi, du citoyen au sud la donne, il fiable, pas de problème. Moi, j'ai une information là, quand il dit M. Guy Philippe, il est en Miami, que l'un des gars des pour mettre un devis par mettre Guy Philippe pour $700,000.
nous allons faire Boston pour $1 million, nous allons faire New York, mais comment ça va vous dire, pourquoi ça vous fait ça? C'est parce que les autorités judiciaires haïtiennes ont prononcé décision finale, c'est-à-dire les jugements de condamnation, là ça nous a ordonné confiscation de biens à aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils changent au fait. Pour que les États-Unis aient information à Haïti, pour dire, mais bien que le gagné nous trouve que c'est bien situé, notre décision judiciaire a sorti décision finale, Haïti a dit qu'il a la vie, nous condamnés qui finissent attendant d'aller d'emprisonnement, plus confiscation de biens à eux, saisie, confiscation de biens à eux, qui lient aux États-Unis, lient Miami, lient en fait, lient Miami, lient Boston, lient New York, parce qu'on a des informations dans le cadre en fait, judiciaire. Alors, professeur Blaise, ça qui est un petit peu pour mentir l'esprit, tout, c'est parce que si il y a un accord multilatéral, si il y a un bien bilatéral, et c'est le problème qui est posé entre Haïti et la République dominicaine, il y a un marché binational, mais généralement, c'est le marché dominicain qui est fonctionnel. Donc, en principe, effet de réciprocité que n'a pas l'ayant, est-ce que tout, professeur Gabi Blaise, vous pensez que si un Américain est à fond bagaille, qu'on a l'Haïti, il fait des blousailles? Et puis l'Italie, les États-Unis, vous pensez haïtien, Haïti, gouvernement haïtien, commandé américain, pour envoyer un grand américain à Bali, Haïti. Et on très belle question. Et en droit international, c'est la loi du jour, on ne va pas mettre tout le monde. On dit ça. Et donc, c'est ça que vous avez commencé à me dire tout à l'heure. Comment ça fait parce que les pays USB va faire justice en confiance. Par exemple, les États-Unis, écoutez, mais la côté, la race en thèse, l'allégation, vous écoutez justice ou en confiance parce que, ou quand vous êtes américain dans la loi, vous pouvez protéger, il y a une corruption, ou quand Daniel, parce que vous n'avez pas le droit à la défense. Par exemple, pour le défendre, pour gagner les policiers à dossier à. Pour demander les préparer des pensées, pour pas mettre une prison comme ça. Donc, la détention pour les questions. Donc, les États-Unis a avancé tout argument à l'argument pour dire que la justice soit confiante. Je joue en condamné parce que de l'argent, il n'a pas condamné innocemment. Donc, il n'a pas fait confiance. C'est comme si la femme plutôt pour juger plutôt. C'est ça que je fais. Je suis très content que l'hypothèse a pour avancer. C'est ça que les États-Unis m'ont dit, yo moun, les bons moun, normalement, le gouvernement, il a dit qu'il pleure. Si Haïti a dit non, comment ça va être possible et puis les États-Unis a dit non. Attention, dit que Blanchiment la Caoue, Blanchiment comme ça, on dit fait, et Agnès, il n'arrête pas tout. Donc, les Philippes sont, par exemple, les Philippes sont en danger, ils représentent un danger pour moi tout, là, on n'arrête pas. Donc, si on représente un danger pour moi, là, on n'arrête pas, il ne va pas juste avoir confiance, qui est jugé, qui est jugé, il est plutôt. Mais là, l'un juge, il n'arrête pas, il est condamné, tout est comme condamné, il n'arrête pas. C'est ça, c'est un bon exemple. Vous croyez que Haïti est un bon malade, pendant qu'il est condamné à 7 ans d'emprisonnement aux États-Unis, Haïti, c'est qu'il doit dire, écoutez, États-Unis, demandons que vous dites que les bons moments sont sous place, pour faire deux ans. Bien sûr, c'est pas ce qu'on va l'argent, tout l'argent qui est blanchiment, tout bien qui est parti de blanchiment, ça va comprendre. Tout bien qui est parti de blanchiment aussi, confisqué, eh bien, ça, les États-Unis prennent l'allié pour compte du Philippe. Haïti, c'est son partage qui est la dame. Haïti, c'est la dame. Il souhaitait demander l'État américain si c'est $1 million ou $500 000. Ou bien, selon Jean-Claude, il paye un peu, il gagne $300 000. C'est même pas par exemple. Il Philippe est condamné en Haïti, et c'est pas pour défendre Guy Philippe, vous comprenez. Guy Philippe est condamné en Haïti, et États-Unis, écoutez, ils ont la loi fédérale tout le temps, ils ont la loi et confiance. On menace aux questions de prison qu'il a eu, aux questions de ISO, aux questions de Marlène, la mort en jour qui l'a pris pas de prison, il a pris pas de prison, il lui fait quoi dans la caoule, il m'a fait quoi pour le bon moment de lui faire la peine à la répandre. Est-ce qu'on t'en dit quoi? C'est ça qui s'en est. Non, mais professeur, ça a lié engagé, Tété. Je me rends compte que le problème Haïti est là, et m'a regardé même en balade là, son problème d'instruction, son problème d'éducation, son problème de l'école, son problème de monde qui ne connaît pas, son problème de qui connaît, oui, mais qui quand même continue à dominer, à jouer sous misère peuple là. Et ça fait, vous pas créer l'école pour nous, vous pas manuer l'éducation, vous pas les petits peuples à l'école, vous pas venir apprendre, parce que vous pas venir comprendre la réalité. Mais droit, c'est belle bagaille. Mais droit, c'est belle bagaille, professeur. C'est belle bagaille. C'est belle bagaille. Droit, c'est belle bagaille, c'est parce que nous n'avons pas assez de recul pour nous analyser les textes. Je veux dire, 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 je veux et nek plus ou moins correct là, son ami wana met, moi monsieur font bon recul là, monsieur parle en pile bagay sérieux, son on professeur dans wana met, monsieur correct. Mais en pile m'attendé là, c'est tête chargé des blousailles net. Vous me préférez, moi comprends, c'était mon préféré, j'en te dis ça dans des émissions, l'autre côté de mon possibilité, merci. Vous me dites que moi, à détacher de tout sujet, parce que moi je crois que je suis de bonne foi, c'est parce que je parle de texte. Moi, je vais y référence texte là, conférence des partis des Nations Unies, à l'ITEX là, à l'article 53, 7 août 2017. À l'île pour nous, que, automatiquement nous finissons la procédure, et bien écoutez, la condamnation de Guy Philippe, l'île constate par les légions, transposition automatique dans le droit haïtien. Pas bien débat sur ça. Pas bien débat sur ça. Maintenant, juriste qui évoquait que tu as défendu Guy Philippe dans son sens, moi je crois que c'est de bonne foi, moi je crois que c'est parce que tu as parlé de texte là, et c'est des très compétents. Mais désolé parce que moi je n'ai pas envie de dire, je ne peux pas répéter parce que c'est son ancienne autorité, c'est parce que c'est lui, piège passé. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que ça me connaît qui vont se lire pour une population, ça me connaît qui vont se lire même pour une bonne opportunité pour venir expliquer la population. De quoi il s'agit? C'est pour une personne avec Guy Philippe, d'ailleurs, nous dit que. Combat ça m'a fait, juste à moi-même, pour moi-même, nous sommes pour la DT, il y a beaucoup qui fait tout. C'est aussi, mais parce que c'est seulement le côté négatif. Parce que de même, si je veux dire, pourquoi j'en connais? On a dit que Guy Philippe dit, j'en suis dit, il y a annoncé une révolution contre le gouvernement actuel. De même, on a dit que le gouvernement dit, écoutez, le premier ministre Ariel Henry a dit, bon, nous avons mis des mounis,
nous avons des blancs là comme d'autres qui nous font faire et pour faire arrêter, on fait le fret, on fait arrêter. Attendez, écoutez, il ne pas prendre des décisions américaines. Vous écoutez, premier ministre, vous feriez ouais. Jugez pour ça déjà. Jugez pour ça déjà. C'est le pire de cette affaire. Par contre, difficile en fait. Ça veut dire que non, professeur Blaise, parce que là, l'autre fini. Ça veut dire que sous base ça, professeur Blaise, si vous avez attaqué Guy Philippe, sous même ça, ou ta, ou bien ou te reproche li, Guy Philippe bien élevé dans la pour dire attention, chef là, ou prend lumière rouge, moi condamné pour infraction ça déjà. Bien puisque Guy Philippe condamné pour infraction ça déjà, est-ce que ça veut dire automatiquement Guy Philippe c'est un nègre qui perd du droit civil à politique li? En fait, professeur. Voilà, c'est pour ça que l'on faut comprendre. Parce que si tel m'attaque, moi comme si moi-même, pas comprendre rien, et parce que je ne parle pas de au contraire. Si Givin la révolution, c'est moi le sérieux vrai, la capote Ariel m'a marché derrière le mais il faut nous faire point du doigt, il faut nous dire pays, oui, Guy Philippe est un bon combattant, monsieur est un soldat pour le chavirer Ariel, mais le pape Karim président parce que, en dépit de tel bagage, mais ça passe. Professeur Blaise, sous base ça, il n'y a pas arrêté monsieur pour même infraction parce qu'il était jugé déjà, puisque les juges le condamné, ça a dit tout, il perd du droit civil à politique. Non, pas. Perte de la civilité politique, non, c'est une sanction complémentaire. Mm-hmm. En droit, comme je vous dis tout à l'heure, vous avez une question, le droit pénal, il peut voir incrimination, il peut voir sanction. Okay. Vous avez des marches ensemble. Ou pas prévoir sanction, ou pas prévoir incrimination, vous dites, mais qui fait qui fait bien, c'est que le comportement social, vous avez dit qu'il sanctionne une affaire sur elle. C'est une allée à l'autre. Maintenant, sanction, elle est divisée en deux. Mm-hmm. Sanction, l'État a dit, écoutez, moi, décidez pour moi, pour qu'on a à 10 ans d'emprisonnement, 9 ans d'emprisonnement pour blanchiment. En même temps, tout le monde prévoit que, l'homme qui nous avec le niveau de l'emblanchiment, ou a tout perdu, doit civiler politique du temps à l'île. C'est une fonction complémentaire liée. Maintenant, qui a fait le domaine de la suppose? Non, il faut payer, on va parler. C'est tout à l'heure qui a capté de là, oui. Ni Philippe Blanchet, la reine, et d'attendre, ça va dire, professeur. Parce qu'il faut le connaître quand même la bataille là. Question tellement pertinente, mon objectif est d'aller. Mais ça, tu vas parler. Bon, j'en pour nous poser question et tout. Le Guy Philippe, ça va vraiment. Le Guy Philippe, pour retourner là, ici, il y a des PPJ, qui s'est mis jusqu'à tes douches. En tout cas. L'État suppose automatiquement, il prend un ministre de justice et se demande à travers le ministère de l'Intérieur pour la prise de décision et on a l'équipe de la police. Mm-hmm. C'est des choses à nous joindre. Automatiquement, la décision vient pour nous, il y a des décisions qui sont partie de justice haïtienne. Il y a demandé la justice haïtienne pour nous faire pour nous. Mm-hmm. C'est de la civile politique difficile. C'est ça que je veux faire. Parce que peut-être droit civil et politique, il faut que son tribunal qui pour monter l'emport. Et l'État a vu, il y a pour 2 ans, 4 pour 5 ans, 4 pour 6 ans maintenant. Où il y a un problème qui vient pour nous. Et c'est là que c'est automatique pourtant. Le candidat est pas de voter. Composition par Guédon, je peux dire, mais de l'aise, vous faites monter des biens ou bien, mais nous pas faire un gros parce que décision pas de dialogue. Mon cas de comme député, et bien, j'ai dit deux jours que j'étais déjà dans la composition. Comme c'est toi, me dis deux, il va combien. Mais tous les deux, nos marques, on m'a payé, ils tellement fait des biens, ou tellement défendu tout le problème là. C'est un pays difficile. C'est un pays difficile. Qui a été reproché? Moi, j'en vois, qu'on voyait au cérébral, comme si ça, au cérébral, qui enregistre sur TPA. Qui t'a fait mon croyant, moi, imprimé, vous faites comprendre. Yes. Parce que c'est eux-mêmes qui ont travaillé comme toi, pour montrer comment on croit le compté, voir votre, etc. Et bien, ça veut dire que vous avez une bataille originale pour les balles, c'est par la bonne prise pour les balles. Donc, eh bien, je veux dire, c'est ça qui est le commencement. Quand on a des mondes dans le Parlement qui n'ont pas une capacité pour faire analyse, pour nous en dire ça. Là où gagner, il y a une décision qui soit sur le niveau international. Et bien, il y a une possibilité, vous dites, on va pas prendre une décision, comme je dis, pour un tribunal de prononcer, faire de la civile politique, monsieur Guy Philippe. C'est mon problème. Ouvrons loi 2001, ouvrons loi 2013, sous blanchiment. Ouvrons loi qui était révisée, qui était amendée par loi 2016. Après, c'est le système néen, parce qu'il y a un problème de gamelle. Mais, j'en ai compris les constructions de dossiers, etc., provoquer débat sur corruption. Mais écoutez, loi blanchiment, en fait, loi qui institue le blanchiment, 2001 particulièrement, n'est pas jamais contacté, j'en peux prononcer pour l'autre peine complémentaire qui était faite de la civilité, comme ça, non, c'est ça, c'est comme tu dis ça, moi je dis, comme ça, attention. Pour les législateurs, l'homme de l'État a fait par le matériau. Faut que attention pour éviter les gens de se dire que l'agent sale pas rentrer dans le Parlement. Les agents pile comme ça, non, mais demain, si quelqu'un est condamné, eh bien, ou pas condamné, l'agent sale pas condamné. Alors, par exemple, c'est l'agent qui va le financer et il faut qu'appelle le président, qu'appelle le député, qu'appelle le ministre, qui a accédé au pouvoir. Maintenant, pour nous éviter ça, loi 2001, qui est amendée par loi 2016 là et jusqu'à loi 2016 là, qui n'a pas de mission de l'Allemagne, nous souhaitons que, maintenant, nous voulons le Parlement pour les salaires. Ni à modèle, pour ajouter en peine qui est peine complémentaire là. Pour dire, mais qui ça vous prévoit, si on est condamné pour blanchiment, mais qui ça vous prévoit pour gagner comme perte de droit civil et politique. Je veux dire, pour répondre à la question là, est-ce que M. Guy Philippe peut être de droit civil et politique? Non, il va pas dire automatiquement. Pour qui ça, parce que il va dans le tribunal pour lancer. Mais, c'est bien qui est important.
ça nous dit M. Philippe qui a pris l'état candidat. Comment? Il n'est pas candidat parce que qui sa texte constitutionnel l'a dit. Article 96 a dit, ou tout candidat, il ne faut pas jamais condamner. Il ne faut pas jamais condamner. Il ne faut pas jamais condamner. À une peine affective et infamante, et il dit, il ne faut pas faire du droit civil pour bénéficier du droit civil et politique. Maintenant, en tant que dit parler devant TPA, il dit, écoutez, mon candidat, parce que je ne parle pas du droit civil et politique, eh bien, et tu n'as pas dit maintenant, nous n'avons pas toujours du droit civil et politique, mais vous êtes condamné déjà. C'est elle qui ne pas dit où, il dit elle. Ouais. Si vous dit tous les candidats, parce que c'est elle qui ne pas dit où. Bah, vous mélangez, oui. Ah, ouais, ouais, droit ça. Son gros bagage doit y aller, oui. Bah, mélangez. Bon, regardez, t'as le professeur. Alors, là, nous arrivons, professeur. Mais, bah, où t'as parlé? Belle, m'a demandé au responsable. Bon, 10 minutes encore. C'est professeur. Y'a pas, il faut que paye. Y'a quoi? Bah, j'aime tourner ce dossier, ça encore facile. Faut en profiter. Mais bon, ouais, moi, sincèrement, et c'est dernière intervention de ce débat. Parce que vous pensez que tout pays attendait. Et c'était donc, je pense que le gars de yo, quand on annonce la publique, on a la fin de l'été. Et avec le système de poulon, avec le système de poulon, si mon gars de l'interview, je pense que l'émission de l'émission de l'été, on va bien retourner sur ce sujet encore. Ok, là, un problème. Respect pour nous, merci en pilou pour respect. Merci, merci, mettre là. Article 96, n'est-ce pas, il n'y a pas de trois points là-dedans. Il dit, premièrement, il dit être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Deuxièmement, il dit qu'être âgé de 30 ans accompli. Et troisième point qui est très important, il dit que jouir de ses droits civils et politiques. Et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun. Ça veut dire que, guéons, cumul de conditions. Ouais. Pas dit où, il dit eh. Monsieur Guy Philippe a dit, écoutez, moi, je oui, droit civil et politique. Vous avez aucun tribunal condamné à une peine de droit civil et politique. Le tribunal a dit oui, d'accord. Le tribunal marin agricole a dit oui, d'accord. Mais c'est pas dit eh. Ouais. C'est condamné aux États-Unis. Condamnation nationale est applicable dans le droit haïtien. Donc, du coup, si tu dis où, l'un dit où, c'est ou l'autre, you know, bien. Mais elle dit, voilà. Ça dit, c'est d'ensemble, tout le bail est mélangé. Voilà, c'est deux conditions cumulatives. Donc, je dis, hein, si tu dis où, il ne peut pas dire, je dis, on est candidat parce que je suis condamné, mais toujours, je dis, politiquement. Mais à ce jour, je suis désolé, parce que je n'ai pas aucun problème avec eux, mais je dis, je vais écouter en plus, parce que il y a des initiatives peut-être qui courageuses, que ma capologie d'action de l'initiative, mais. Et quel que soit quand on est à l'opposition, mais il y a une initiative plus courageuse. Peut-être que ce n'est pas normal, c'est illicite. Moi, je respecte ça. Un citoyen tout qui est utilisé peu importe les conditions dans lesquelles il a été élu, mais il était élu quand même plus comme sénateur de la République, que je dois le respecter. Donc, moi, je respecte M. Guy Philippe. Mais à ce jour, au regard de la loi, M. Guy Philippe ne peut pas être candidat à l'IFACA, candidat à aucune poste politique en Haïti. Et là, pas même sur un poste politique, j'ai fait une fonction que tu as occupée dans l'État. Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Et moi, je regrette que pour moi, tenu pour ça, contrairement à avec aîné et de juristes qui a chômé, très compétent, qui peut être... Oui, c'est jeunesse là. Même là, parce que là, il n'y a pas compétent. Moi, je m'entendais. Si je m'entendais, je m'entendais, ça le dit que, oui, je connais par sagesse, c'est normal, etc. Mais moi, je m'entendais, parce que là, je m'entendais, il faut que j'apprenne. Pour m'abouiller, c'est vrai, moi, je ne viens pas au compétent, parce que c'est vrai, m'a bouillé. C'est pas comprendre. Parce que ma tante, il faut m'apprendre. Vous comprenez ça, m'dou? Et n'y a pas bouillé, c'est vrai, moi, il y a d'où tel bagaille. Il y a d'où les constitutions, alors que y a un traité, il y a une convention, il y a un accord qui signe. Il y a d'où non pas bien accord, parce que là, il va faire recherche sur ça. Comment font émission pour pas préparer? Là, je viens là, chaque midi. On passe au moins 3 heures, oui. Mais on commence au travail à 4 heures. On a une émission à 6 heures. Dès que notre travail, on commence à préparer l'émission, oui. Pour me dire qu'on est, parce que l'émission, non, au moins, il faut me faire 3 heures de préparation pour me dire qu'on ça veut dire que son pays est difficile. Professeur Blaise, franchement, posez en pile. Je pense que en pile, mon capitaine de la rue édifié. Donc, au clair sur ça, au regard de la Constitution, et vous évoquez plusieurs bagailles qui sont extrêmement importantes que nous ne connaissons pas, on dit que oui, dit qu'il n'y a pas l'inscrit, il évoque, il n'y a pas du droit civil et politique, li, parce que pas de tribunal en Haïti qui prononçait sur ça. Cependant, d'après ça, la Constitution a dit, puisque monsieur était plaidé, bon, monsieur était condamné, eh bien, monsieur n'est pas capable ou bien pas éligible pour briguer un poste électif et même une série de gros postes de responsabilité dans le pays. Effectivement, parce que gagner ça moins la transcription automatique de la décision pénale américaine, donc décision automatiquement reconnaître, c'est la reconnaissance mutuelle des décisions, la litigation des décisions pénales, donc définie et au gars du droit haïtien, de reconnaître comme monde condamné à en peine à quelque chose et donc du coup, texte a dit et, à ce qu'il y a un texte dans et donc c'est, et bon, de façon regrettable, mais je suis désolé, et monsieur Philippe Paca, en tout cas, il n'est pas éligible à un poste électif, et même il n'est pas capable de poste de poste et de fonction, non, poste non, fonction publique. Et là, c'est pas moi qui ai inventé, donc je veux dire, mon conseiller juridique pour Alli, conférence des partis des Nations Unies, 7 août 2017, article 53 surtout, qui est noir sur blanc, clair, de façon très claire, pour nous, Médi Larenou, qui est de COP, qui dit, qui consacre aux connaissances mutuelles des décisions de monde qui est de l'État, qui fait partie de convention, convention Palem 2000 ans. Bon, et pas de débat sur ça, et si nous n'avons pas de doute, si je n'ai pas de doute que décision pénale américaine, convention pénale américaine n'est pas
les limiter seulement avec les situations avec un moment, c'est pas limité ça, donc c'est extension de vision pénale. Donc effectivement que pour conclure, Guy Philippe, l'État évoqué les juifs dans les politiques, c'est normal parce que la justice américaine n'a pas de Guy Philippe, c'est un important traité pour traiter d'elle. La justice américaine n'a pas de Guy Philippe, il perdit dans les politiques parce qu'il n'a pas de nationalité américaine. Donc le tribunal américain a dit, vous perdez dans les politiques, ça va intéresser parce qu'on ne peut pas venir dans la raison parce qu'on n'est pas américain. Maintenant, les juifs me condamnent seulement avec mon peine d'emprisonnement, donc c'est là qu'on peut connaître, c'est une justice qu'on peut connaître, on aura pas pris des décisions, les tribunaux qu'on connaît, le tribunal prononcé et peine complémentaire, ça, qui c'est en peine de la politique. Donc à ce jour, il est regrettable, il est vraiment regrettable d'affirmer que M. Guy Philippe n'est pas éligible à des postes électifs en Haïti. Pour l'instant, à moins que les gars amendent la constitution, mais ça, pourquoi possible? Et ça prend temps. Professeur Blaise. Et là, totalement de constitution, parce que ça a retourné sur décision sur rétroactivité. Parce que, pas oublier que M. Guy Philippe est condamné avant et révision constitutionnelle, ou bien autre. Si vous avez la constitution, vous écoutez toute décision pour une question de condamné à peine à qui c'est vraiment que s'il est condamné déjà, il n'y a pas fait sous révision constitutionnelle, ok. Mais si vous ne précisez pas tout, donc je ne dis pas par candidat, pourquoi si j'en peux le voir, il écoute tout le monde qui est condamné déjà, ou pas de problème. Donc même les où, même les où, il faut que vous disiez que mon petit condamné déjà, parce qu'il constaterait déjà que l'église ne peut pas éligible. Donc maintenant, quand vous faites autre chose, il va contre tout, il va la discuter, il va estimer que il y a des gens qui sont payés sur l'international, qui sont payés sur l'international, qui défendent le pays. Si vous êtes condamné, vous êtes dans le passé, vous êtes condamné dans le pays étranger, peu importe, vous êtes condamné, je vous dis, nous allons chanceux et vous éligibles, vous occupez ces fonctions administratives dans le pays. Donc nous allons travailler, vous allez à la vie. Donc oui, il y aura pouvoir dans les réformes constitutionnelles. Mais à ce jour, M. Philippe n'est pas éligible. Maintenant, bataille à la fin de l'année, si nous n'avons pas penché sur la politique, c'est un bataille de l'année pour. Parti politique, M. Philippe Blanc, pour gagner majorité dans le Parlement, et puis qu'on a tout cas constitutionnel. C'est seulement ça. Consultation gratis, oui, là. Eh ben, merci, professeur Blaise. Chapeau pour vous, frère, mon cher. Félicitations encore une fois. D'ailleurs, je connais ça déjà. Parce que nous besoin, ça y est. C'est vrai que vous ne parlez pas souvent, mais merci pour le respect à l'amour qu'on a pour le travail, moi, tout, parce que c'est difficile pour m'inviter. Je suis bien content qu'on est en Amérique, là. Parce que là, c'est le tapis tranquille, le tapis 3 heures du matin en France. Et puis, on le laisse, ça, on parle avec quand même les voix endormies, parce qu'on a plus le respect pour le travail. Moi-même, j'aime plus le respect pour le travail. Merci, Monsieur Blaise, bon travail. Je pense que dans pile monde qui tente de comprendre, pays a franchement édifié. Sauf monde qui par exemple veut apprendre. Merci professeur, bon travail. Et moi-même je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Désolé, nous prenons du temps, mais il faut nous rappeler que pendant que nous parlons là, il y a un juge de paix comme une Kafouyo. Pas un problème. C'est un pays difficile. Oui, pas un problème, non. Pendant que nous parlons là, il y a un juge de paix dans la commune Kafou. Oui, Kafou. Dans la ville Judédois là. Dans Ville-Beauville là. Pendant que je parle là, M. Seyoun, juge de paix en bas, M. Jean-France Ducasse. Jean-France Ducasse, juge de paix Kafou. Eh bien, il a kidnappé M. Amatissa après-midi. Oui, il a kidnappé M. Donc, et ça qui doit là, d'après sa famille, bon, c'est d'après ça, il a été signalé là, notamment n'importe combien, 2 millions de dollars pour libérer M. Et juge de paix Kafou, pendant que je parle là, il a kidnappé Amatissa. Ça veut dire que, attendez bien, et ça me tape d'où. Et en tant qu'il fait, entre les Chris là, les grands ravines là, eh bien, ça me tape d'où, les nègres, je neuf pendant le kidnapping, je n'ai pas ceci. Les nègres font entente. Entente, ça a une facilité kidnapping fait de tous côtés. Et d'ailleurs, comment pour les matins, on va faire kidnapper les Kafou. Comme qu'on y a Kafou avec un petit Jean mélangé. Eh bien, nous ne connaissons pas. Parce que là, on a dénoncé les bandits. Moi, ça a je vous propose que c'est moi de parler, ouais. Yo. Eh bien, nous ne connaissons pas. Mais, qui ça? Juge la guénamé, le monsieur. Oui, on a kidnappé un juge Ducasse dans Kafou là. Ou d'un les 2 millions de dollars. Nous pensons que si je veux dire, moi, nous pensons que tu as vu passer dans le bateau à la matisse, ça va nous prendre. Ah, monsieur. Ça m'a dit, on ne pas comprendre la forme de bagaille dans le fait. Bon, peut-être que nous avons un abri de la juge là. On ne pas connaître, c'est tellement dans toute sauce. Il y a dans tout dossier, il y a dans toute sauce. Mais si vous l'argent, côté famille juge du casque, pour ajouter 2 millions de dollars pour le bano. Nous kidnappons le docteur Bertoni François. Un médecin qui a nous conseil pour santé. Qu'on y a passé le débat avec le médical. Comment va y aller? Et bien, Fata, on ne pas songer qui est. Comment aller encore? Qu'on y a l'air, nous prenons là. Bon, ça l'est globalement des millions. Qu'on est l'argent de l'argent, ça. Jean-Pierre d'Haïti est là, on est qui vient comme là-dedans. Une de ses responsables complexes médicales, Elohim, oui. Elohim. Il a kidnappé docteur Bertoni François après-midi. Qu'on y a globalement des millions. Nous tous, docteur Mackenzie Guerrier, pendant qu'il a kidnappé la faire résistance, nous vidéons sur lui, nous gaspillons le jeune garçon. Mais nous faisons docteur Auguste courir la vie cachée, Florida. Bon, mais qu'on y a, nous prenons un misère dans le complexe Elohim, non, Bertoni François. Bon, mais nous prenons juste du casse là, qui a passé là, nous prenons la route là. Eh bien, comment on a fait pays là? Eh bien, monsieur, regarde, on t'y malheureux, dis nous là en bas, et nique. Mais t'y malheureux, ça nous prend avec Johnson, des t'y malheureux, n'est-ce pas, fais la vente sous bourrette, nous kidnappel. On s'en a fait payer là, monsieur. Un problème, mais ça te fait, si Guy Philippe veut qu'elle fasse révolution, vous comprenez, Guy? Nous, nous, Guy Vérité, Guy. Même soit font révolution, ou Chavir Ariel là, et puis pour dire que vous balayez, allez, moi, fanatique, on va tourner sur ça demain, fanatique, on va la fin de la gare, soit font révolution là, tout bon, ouvre Chavir Ariel. Donc, préparez qui vous, parce que même qu'on n'a pas de président, on n'a pas de candidat, on n'a pas de